Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans Hyperlink, votre cocktail de 8 pixels qui décortique l'actualité et l'écosystème de la pop culture. Je retourne cette semaine sur le siège du présentateur après notre émission Fleuve sur Yu Suzuki la semaine dernière. Et on profite avec un joli petit filtre rose sur l'image, c'est de circonstance peut-être, je ne sais pas. Bon, on profite de la sortie de Frozen 2, donc la Reine des Neiges 2, pour revenir sur une figure canonique de l'imaginaire partagé du grand univers de Disney, tout simplement les princesses Disney. Qui sont-elles, où vont-elles? J'ignore de le savoir, peut-être qu'à la fin de l'émission on sera un petit peu fixé. Et on s'est entouré de bien belles personnes cette semaine pour aborder ce grand sujet. Mélanie de la Manie du Cinéma, bonjour. Bonsoir. Bon, il fait encore jour à ce moment-là de l'année. Vite fait, donc tu tiens la chaîne La Manie du Cinéma. Absolument. Où tu te livres à des vidéos pédagogiques, mais également des entretiens fleuves sur le monde du cinéma. On y retrouve entre autres Patrick Beau, Al236 ou Sophie Rich. Yes. Est-ce que tu as des vidéos en cours en ce moment, des vidéos récentes ou des vidéos futures dont tu as envie de parler? Justement, c'est bien le sujet dont qu'on va aborder aujourd'hui, parce que je sors une vidéo dimanche prochain sur les comédies musicales pour ceux qui n'aiment pas ça. Donc, on va parler de Disney un petit peu dedans. Oui, il paraît que ça chante effectivement chez Disney. Vraiment vite fait. Très bien. On est toujours on est avec Chloé. Bah oui, le soleil brille, les oiseaux chantent. En novembre, bientôt en décembre. Enfin bref, le temps passe et nous on est toujours là, c'est beau. Mais il n'y a pas que le soleil et les oiseaux qui brillent et qui chantent, parce que au monde des Pokémon, je crois aussi qu'il y a pas mal de Pokémon qui chantent. Il y en a quelques-uns. Tu veux nous en parler peut-être? Allez, c'est bien parce que c'est vous. Allez, c'est très bien. De l'autre côté du plateau qui ricane méchamment, mais qui a un très joli t-shirt, Cédric. Méchamment. Mais merci, il est très beau ce t-shirt. J'ai acheté au Pokémon Center de Tokyo, ça te plaît? Ah oui, oh là là, monsieur Weeb. Oui, je vais au Japon. Et oui, effectivement. Non, mais tu nous as tous fait des très jolis cadeaux, donc, et on t'en remercie. Non, pas à tous, mais ouais, très bien. Très bien, voilà, des très très bonnes boissons. Et Océane, comment ça va? Bah, ça va très bien. Très bien. Ouais. Très très bien. J'aime beaucoup les princesses Disney, j'ai grandi avec, donc. C'est un plaisir d'en parler aujourd'hui. Super, et tu nous as apporté des magnifiques Funko Pop qui décorent notre plateau cette semaine. Surtout celles de Mulan et de Megara qui sont deux héroïnes que tu portes dans ton cœur, oui, n'est-ce pas? Oui, certes, certes. excusez-moi. Donc avec toi Cédric, on parlera de Frozen 2, La Reine des Neiges 2, que tu as pu aller voir un petit peu avant sa sortie, mais on profite de la sortie du film pour en parler. Et on a un petit peu toutes vu autour du plateau, donc je pense que le débat sera fort intéressant autour de ce film. Deux critiques donc, et un grand sujet de débat cette semaine. N'hésitez pas à participer sur le chat de Twitch évidemment, on peut vous lire. On salue PJ Beccaro, ce sacré PJ, et également Mafouba. N'hésitez pas à interagir avec nous tout au long de l'émission, partagez vos anecdotes, vos questions, on tâchera d'y répondre de manière pertinente, ma foi. J'ai envie de dire, c'est parti pour les critiques, la première critique. Mais c'est de la merde. Alors, je me tourne vers toi, Chloé, Pokémon épée et par extension bouclier. Tu as travaillé à quatre mains avec PJ pour l'élaboration de ce test. Que t'a-t-il compté de son expérience? Alors, épée, bouclier, déjà juste pour resituer, c'est le tout nouvel opus de la franchise Pokémon qui a été développé par Games Freak et qui est sorti le 15 novembre sur Nintendo Switch. On va découvrir une nouvelle région qui s'appelle Galar avec une inspiration très britannique pendant la période industrielle. On va avoir toujours ce système de rivaux, mais là avec de nouveaux protagonistes qui vont se montrer à nous. On va commencer l'aventure en compagnie de notre meilleur ami Nabil, qui est le petit frère du maître de la région de Galar, qui s'appelle Tarak. Fait PNL, c'est bien. Ça fait PNL, tu me l'avais dit hors antenne et ça t'a marqué, on dirait. On va affronter la Team Yell, qui est une bande de hooligans qui va se mettre dans notre chemin plus ou moins tout le long de l'aventure. Et on va également avoir un autre antagoniste qui s'appelle Travis, qui est le produit du népotisme, qui pense juste être le meilleur parce qu'il est sponsorisé, en tout cas recommandé par le président de la ligue de la région en fait. Donc on va être bercé par une musique éclectique qui rappelle les différents styles musicaux britanniques. On va avoir un petit peu de pop rock, on va avoir du grunge, on va avoir même de la cornemuse. Enfin, on va vraiment se retrouver sur une ambiance spéciale, toujours retravaillée, avec une architecture bien recherchée, des graphismes qui sont travaillés. C'est beau, c'est vivant, ça plaît. Est-ce qu'il y a du ragga jungle? Alors, non. Demande à PJ sur le chat. PJ. Du coup, qu'en est-il de la recette de Pokémon? Est-ce que les développeurs ont décidé de l'enrichir ou est-ce qu'on est en terrain connu? Et s'ils ont décidé de l'enrichir, comment est-ce qu'ils l'ont agrémenté?
Alors, bah, quelque chose qui fait plaisir en tout cas, c'est que on va déjà pouvoir s'incarner un peu comme on veut. On est comme dans les Sims en fait. On va pouvoir vraiment personnaliser son personnage du tout au tout, et tout va rester assez interchangeable au cours de l'aventure, que ce soit les Pokémon, leurs attaques, leurs noms. On va vraiment avoir beaucoup de liberté à ce niveau-là. Si on garde le combat tour par tour habituel, on va découvrir une nouvelle mécanique qui s'appelle le Dynamax. Donc c'est un phénomène qui permet aux Pokémon d'augmenter considérablement et qui va développer leur force également. Le Dynamax, il est utilisable une seule fois par combat et il dure 3 tours. Le dresseur doit posséder un bracelet Dynamax pour que ça puisse s'activer. Et c'est une mécanique qui est utilisable seulement dans des endroits spécifiques, donc dans les arènes ou alors dans les antres Dynamax dans les terres sauvages. On va avoir des nouvelles apparences propres pour certains Pokémon, un peu comme on avait eu les Alola. Là, on va avoir des apparences pour la région de Galar, notamment le Ponyta et le Palartichaux. Et le Smogogo Dickens aussi, qui est plutôt rigolo. Voilà, il y en a plusieurs. Le Pokémon Mime aussi, qui a une apparence glace et qui est assez flippante. On va découvrir les terres sauvages. Et ça devait être un des éléments que les joueurs attendaient le plus. C'est grosse promesse. Voilà, c'est une zone en open world, à la météo changeante, où on va rencontrer tout type de Pokémon et où pratiquer le Poké-Camping, notamment, qui est une autre nouveauté. Donc c'est ce moment d'intimité entre le dresseur et ses Pokémon, où on va pouvoir leur faire à manger, on va pouvoir jouer avec pour qu'ils nous aiment beaucoup. Donc c'est le Pokémon Dogs. La nouvelle Poké-Récré, quoi. C'est ça, bah, en gros tu joues avec Nintendo Dogs mais avec tes Pokémon. Dans cette terre sauvage, tu vas pouvoir croiser des Pokémon d'absolument tout niveau. Tu peux arriver dans les terres sauvages, t'es niveau 7, tu peux croiser un Pokémon niveau 60 qui va te foncer dessus et il va te mettre la pâtée. Il faut savoir que les terres sauvages, c'est pas un endroit où on va s'aventurer dans le couloir de l'aventure. On peut toujours y aller, mais en tout cas, c'est pas un endroit où on va pouvoir commencer à s'amuser directement. Ça va être impossible d'attraper un Pokémon de niveau trop élevé. C'est une zone dans laquelle il va falloir vraiment jongler pour réussir à pas mal à de va-et-vient. Ouais. Voilà, même pas mal de va-et-vient. Dans cette aire sauvage, on va trouver les antres Dynamax, dans lesquels on va pouvoir affronter un Pokémon sauvage qui sera Dynamaxé, et ce en équipe de 4. On peut pas l'affronter tout seul, donc soit ça se joue en multi, soit ça se joue avec des PNJ contrôlés par l'IA. Il y a quelques récompenses spéciales à la clé, avec la possibilité de capturer ce Pokémon qui pourra donc être Dynamaxé et être plus puissant. Et comme autre élément disons un peu novateur, c'est qu'on dit adieu au conseil des 4 comme on le connaissait. On va affronter les champions d'arène. Cédric convulse. Cédric convulse. Et je convulse aussi, du coup. Mais c'est un bon nombre de nouveautés, effectivement. Des nouveautés pas forcément bien accueillies sur ce plateau. Mais quel est leur véritable impact? Est-ce que c'est des game changers? Est-ce que ça révolutionne l'expérience de jeu? Ou est-ce qu'on se situe plutôt sur du gadget propre à cette génération-là, comme ce qu'on avait pu avoir avec les concours Pokémon à AON ou des choses comme ça? Déjà, une chose, c'est que le jeu il va déjà être un petit peu gourmand. Donc on va avoir quelques lags inconvenus, mais on reste sur un Pokémon qui beaucoup plus traditionnel que ce qu'on pourrait penser ou ce qu'on nous a vendu. On va vraiment avoir deux types de gameplay. Cédric, bouge-toi les oreilles si tu veux pas en savoir plus. Voilà. On va avoir l'aventure Pokémon très très classique, en couloir, en vue fixe. Le dresseur, il va suivre une route. On va avancer tout droit. Ça va mener au combat, aux arènes, ensuite aux Pokémon légendaires. Tout est tracé en fait sur cet aspect-là. Il n'y a absolument rien de novateur. Et on va avoir les terres sauvages où ça va être une zone de farm en caméra libre où on va pouvoir capturer les Pokémon avec une impression beaucoup plus de RPG. Donc il y a le sentiment très étrange de jouer à deux jeux complètement différents, mais via un seul jeu. C'est bizarre, il n'y a pas de transition entre le moment où on entre dans les terres sauvages, où on va vraiment juste avoir la vue qui est différente, la façon de se mouvoir qui va en être impactée. Et c'est très très étrange. C'est un peu bicéphale, quoi. Exactement, c'est vraiment bicéphale. C'est le terme que PJ avait utilisé. Bisous PJ, que tu nous regardes et que c'est grâce à toi que je fais tout ça. Donc il faudra au dresseur finir son aventure avant de pouvoir profiter pleinement de certains aspects du jeu, les terres sauvages notamment. Donc le jeu présente un aspect libre très très rapidement, mais il va falloir level up, donc monter de niveau avant de pouvoir vraiment s'amuser. Ça peut générer un sentiment de frustration pour les personnes qui s'attendaient à une aventure beaucoup plus libre dès le début, parce qu'on se rend compte qu'on est quand même toujours très cloisonné. Concernant le Dynamax, c'est quand même plus esthétique qu'autre chose parce que ça change pas tant que ça les mécaniques de combat. On reste sur du tour par tour, mais c'est juste au niveau des animations qu'on va avoir des belles attaques, des Pokémon qui ont cet halo de couleurs autour d'eux. C'est beau, mais c'est pas utile en soi.
Et comme on le disait hors antenne un peu avant, c'est un Pokémon beaucoup plus simplifié que ses prédécesseurs. Comme dans Pokémon Soleil et Lune, on dit donc adieu au CT et au CS. Donc ça, c'est fini. Beaucoup d'objets, comme les rappels, les cordes sorties, sont disponibles en quantité illimitée. Et on n'a plus du tout besoin de se préoccuper de est-ce qu'on va mourir à ce moment-là. Et mince, ça me pose problème de mourir. Il n'y a vraiment plus cette peur de rater, en fait. Il y a beaucoup moins de challenges qu'il ne pouvait y en avoir avant. Les centres Pokémon centralisent véritablement tout. Le dresseur il pourra soigner ses Pokémon, mais on va aussi pouvoir, via les centres Pokémon, rappeler des compétences qui ont été oubliées à ces Pokémon, plutôt qu'aller chercher le PNJ à l'autre bout de la map, juste pour pouvoir rapprendre telle attaque particulière. Il y a beaucoup moins d'exploration, tout est beaucoup plus disponible. Et il y a des fonctionnalités comme les boîtes Pokémon qui sont accessibles directement depuis les menus. Donc à partir du moment où on sait qu'on va se battre avec une personne forte qui a des Pokémon, imaginons, de type feu, eh ben, on peut changer toute son équipe au dernier moment, juste avant de l'affronter, pour prendre des counters. Il y a un petit peu moins ce côté endurant qui caractérisait les Pokémon fut un temps. Là, c'est beaucoup plus customisable. Ok, donc on n'est plus trop dans l'angoisse de « est-ce que j'ai choisi la bonne équipe pour explorer tout ça ?» On est totalement ok. Beaucoup moins, et quelque chose qui a fait justement couler de l'encre et des larmes, c'est que le Pokédex est en grande partie incomplet. Si on retrouve des Pokémon des précédentes générations, on va avoir certains Pokémon, mais pas d'autres. On ne sait pas trop pourquoi. Certaines attaques également ont été supprimées pour des Pokémon, et ça déçoit nombre de dresseurs qui espéraient compléter le Pokédex global de tous les Pokémon qui avaient vu le jour jusque-là. Alors pour désamorcer, avant de te laisser conclure, Ruby et Saphir l'avaient déjà fait, donc c'est pas la première fois que ça arrive, et d'autres versions après s'étaient chargées de compléter le Pokédex sur cette génération-là, donc on peut tout à fait imaginer que le remake de la 4e génération peut-être va compléter tout ça. Peut-être. On verra bien. Mais si on peut se perdre des heures durant dans les hautes herbes, dans ce monde de toute beauté, où tout est agréable et où le temps passe à une vitesse folle, on sent que la franchise Pokémon, elle est encore très très loin de sortir de sa zone de confort. Elle aime bien réutiliser sa recette fétiche en rajoutant des petits éléments de ça, de là, mais on n'est pas du tout sur un jeu révolutionnaire, si ce n'est cette nouvelle console, ces nouveaux graphiques et la découverte des terres sauvages. À voir s'ils vont décider de sauter le ravin et de se dire allez, on va aller voir ce qu'il y a de l'autre côté et faire véritablement une prise de risque, parce que là pour le moment c'est quand même assez timide. Ok, donc Pokémon of the Wild, c'est pas pour tout de suite. Non, on dirait pas. Mélanie, tu y as joué, je crois que t'es à la 6e arène. Absolument, c'est je viens d'avoir mon badge de la 6e arène. Alors juste avant de venir. C'est le jeu de ta vie, je crois comprendre. J'ai toujours joué qu'à Pokémon, et de tous les jeux à part les Mario Kart, tout ça, mais sinon j'ai toujours joué à tous les Pokémon, et c'est la première fois où je sens qu'il y a une vraie différence, où j'ai pas l'impression de faire le même jeu que d'habitude, même si je suis d'accord que dans l'histoire, c'est très linéaire, c'est le même principe, mais le fait qu'il y ait les terres sauvages, pour moi, en fait, c'est juste, ça fait un vrai souffle, en fait, pendant le jeu. Moi, je trouve ça super agréable. Après, par contre, au tout début, je trouvais ça très long à démarrer, donc c'est bien, parce qu'on a le temps de découvrir plein de choses et tout, et d'être émerveillé de tout. Surtout, moi, de l'architecture, personnellement, je suis extrêmement fan de l'architecture des villes. Par contre, à partir du moment, je crois, du 3e badge, on les enchaîne. Vraiment, je crois qu'en 4 heures, j'en ai eu 3 de badge. Donc c'est très, très rapide. C'est vraiment, il n'y a pas trop d'histoire entre deux. Puis moi, j'aime bien, il y a aussi un petit côté très médiéval que je trouve très sympa dans l'univers et tout. Moi, j'ai plein de choses qui me plaisent énormément. Après, oui, je comprends maintenant les avis, mais moi je sais que c'est mon préféré. Et par contre, le Poké Camping, où on peut lancer la Pokéball à son Caninos, personnellement je suis extrêmement fan, vraiment très 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 fan, je passe des heures à faire ça. Super, effectivement c'est la Poké Récré puissance 1000, avec d'autant plus de fonctionnalités. Cédric, toi je te vois avec ton t-shirt Pokémon, forcément je vais te poser la question, y as-tu joué, ou à défaut, quand attends-tu? J'y joue dès ce soir, je devais finir Luigi's Mansion 3 avant, ce qui avait été fait ce matin, et je me suis bouché les oreilles, non pas que je ne trouvais pas la critique intéressante, mais que je trouve, ça faisait très longtemps que j'ai pas eu un gros jeu vidéo où quasiment rien n'a été révélé. Ouais. C'est-à-dire qu'officiellement, ils ont révélé moins de 20 Pokémon au moment où le jeu est sorti. Et il y a juste eu un leak d'un guide qui a fait que tout le monde tout de suite s'est renseigné, mais on sait rien. Moi, personnellement, j'ai regardé les trailers officiels et trucs comme ça. Je sais pas exactement ce qu'il y a dans les régions. Je sais pas trop à quoi ressemble. Je crois que j'ai vu 2 champions d'arène, 3 champions vite fait, mais il y a plein de trucs à découvrir. Alors, rien que ça, c'est tellement intéressant parce que
les derniers Pokémon, tu savais tout avant de commencer le jeu, quoi, à la limite. Ouais. Que tu connaissais un peu toutes les régions, tu savais déjà un peu avec quoi parler d'histoire. Là, j'ai même pas vu à quoi ressemblait la team méchante cette fois-ci. Voilà. Et moi, Pokémon, c'est ce qui m'intéresse. On en a déjà parlé plusieurs fois en off. On se rejoint pas forcément sur le gameplay, ce qu'on en attend ou pas, mais moi clairement je joue pas à Pokémon pour son gameplay ou sa difficulté, j'y joue pour les créatures et les lieux que je vais visiter, c'est l'exploration, c'est l'aventure, et tu le vois que même dans l'animé qui a commencé au Japon la semaine dernière hein, ouais. Sacha il prévu qu'il revisite les anciennes régions, en fait il y a un accent qui est mis sur l'exploration, ouais. Il va aller à Galar, mais il y a un sous-entendu comme quoi on va revoir Lugia, on va revoir Johto, on va revoir Hoenn et ainsi de suite, donc l'exploration, c'est la partie de base de cette licence, et donc même s'il est pas très bon, parce que j'ai entendu beaucoup de critiques, même s'il y a des trucs, bon voilà, c'est pas à la hauteur de ce qu'il y avait avant. Tout dépend de ce qu'on attend de l'expérience Pokémon. Tout dépend de ce qu'on attend de l'expérience. Et moi, l'expérience de la découverte, là, elle est pour l'instant quasi pure, en fait. Donc rien que ça, c'est déjà incroyable de nos jours où tout se fait spoiler en deux secondes. C'est pas mal que Nintendo ait réussi à sortir un jeu sans trop en révéler pour une fois. Bah, la sortie mondiale doit aider aussi, hein, je pense, là où auparavant on avait peut-être plus de 6 mois entre deux versions. Nintendo, ils sont les premiers, tu vois, Smash Bros, tout est révélé quand tu commences le jeu. Enfin, tous les jeux en général de Nintendo, tu sais un peu à quoi t'attendre quand le jeu sort. Donc là, je suis intéressé. Moi, de mon côté, bon, ce qui m'intrigue, c'est que avant l'émission, j'ai pu discuter avec Lou Lassinafoubert de La Cartouche et des Game Cult, qui a écrit aussi le livre 20 ans d'évolution Pokémon chez Sœur d'édition, justement. Et son pronostic sur ces versions-là, c'est que finalement, peut-être que Game Freak va arrêter de penser les versions Pokémon comme des jeux à part entière, mais plutôt comme des fenêtres vers une expérience globale qui serait du coup entre des logiciels différents sur iPhone, entre Pokémon Go, Pokémon Home, etc. Et peut-être que c'est le basque changement de paradigme sur ces versions-là, c'est que Game Freak va arrêter de penser en termes d'expérience ludique ambitieuse, mais plus comme des petites fenêtres sur une expérience globale. Donc à voir si la demande va suivre pour la suite, mais pour ça, bon, on aura la réponse, je pense, avec peut-être des versions complémentaires d'ici un an ou deux, parce que maintenant qu'ils ont le moteur, autant y aller, autant le rentabiliser. Merci pour cette critique. On va s'écouter tout de suite Rescue Girl de Jeff Kaufman sur la bande-son de Mighty Switch Force 2, et on se retrouve juste après pour la première partie du débat. Tel début des pixels, toujours en compagnie de Mélanie. Tout va bien ? Absolument, c'est très bien de parler de Pokémon, je suis contente. Toujours avec Chloé, toujours avec Océane, toujours avec Cédric, tout se passe bien ? Ça va. Il est pas content d'avoir été spoilé sur non, Pokémon. Non, c'est vrai, je regardais la séquence de Ralph 2.0 derrière toi. Pas du tout le film, mais j'aime bien cette séquence, elle est sympathique. On en reparlera peut-être tout à l'heure. Pas du tout. Pas du tout, très bien. Du coup, je propose qu'on commence tout de suite le grand sujet de cette semaine. On va saluer quand même sur le chat Zeus Ipsistos qui nous disait pendant la pause, le Dynamax en jette. Les Terres Sauvages est un premier pas pour Game Freak, ça s'améliorera sans doute dans les suites si l'idée est retenue. A priori, à mon avis, vu combien ça a coûté, à mon avis, ils vont le garder. Et on salue Osmosiscope qui nous dit un petit coucou sur le chat. Et on salue Kiri avec des I et des Y. Désolé si j'ai écorché ton prénom. Les amis, je propose qu'on y aille. Le grand débat cette semaine, les princesses Disney, qui sont-elles, où vont-elles ? De toute façon, ça sert à rien de discuter avec toi, t'as toujours raison. Si, ça sert de discuter, c'est toi qui as toujours raison. Alors, les princesses Disney, qui sont-elles, où vont-elles, Océane, peut-être, peux-tu répondre à cette question ? Bah, quelques éléments, oui, c'est que à la base, on remarque quand même que ce sont beaucoup d'héroïnes qui sont adaptées de contes de fées au départ. On pense à Blanche-Neige, on pense à Aurore, on pense à Cendrillon, on pense à La Belle et la Bête, forcément. Donc à la base, ce sont des héroïnes qui ne sont pas des créations originales. Donc Disney fait clairement un travail de récupération et de remise à jour, même si maintenant Blanche-Neige date d'il y a un peu moins d'un siècle. Ouais. Mais ça reste des archétypes, donc de jeunes femmes à chaque fois extrêmement blanches, qui à chaque fois se voient affublées d'un prince charmant et d'un méchant qui est d'ailleurs la plupart du temps une méchante. À commencer effectivement des reines un petit peu maléfiques, un petit peu malfaisantes. Personnage de la marâtre peut-être. Est-ce que ce sont, donc tu l'as dit, ce ne sont pas des personnages originaux, ce sont des personnages qui viennent de contes en majorité européens. Européens, voire français, Perrault. On a Perrault, on a Grimm, on a Andersen. D'abord Perrault et Grimm, puis Andersen. Donc là on a par exemple, de la part des frères Grimm, on a Blanche-Neige, on a Cendrillon. On va avoir également des synthèses entre différentes versions de chez Perrault et des frères Grimm, notamment sur La Belle au Bois Dormant. Est-ce que finalement, on va peut-être commencer par là,
Est-ce que ça procède d'une démarche d'appropriation culturelle, c'est-à-dire est-ce que ces personnages-là sont finalement là pour montrer la voie aux petites filles de l'après-guerre en 1950? Cédric. Moi, je vais me permettre de répondre, moi, pour Blanche-Neige. Ouais. Oui, mais Blanche-Neige, c'est en 37, effectivement. Je vais commencer par le premier. Je pense pas. Alors, appropriation culturelle, ça me semble bizarre comme terme pour ce que. C'est un reproche qui est souvent fait à Disney. Donc Parce qu'il s'approprie des contes étrangers, oui. C'est ça? Mais il y a combien de contes américains? Disney, il n'y en a qu'un seul, en fait. Mm-hmm. Non, il y en a deux, pardon. En princesse, il n'y en a qu'un seul, c'est Pocahontas. Ouais. Et c'est amérindien, donc c'est américain, mais c'est même pas états-unien, c'est amérindien. C'est même pas un conte, quoi. C'est des vraies personnes. Oui, Pocahontas, elle a existé, tu vois. C'est encore plus de l'appropriation culturelle. Ouais, là, c'est plus problématique, déjà. C'est ça. Ouais. Mais sinon, il y a le crapaud et le maître d'école, qui sont des contes américains. Mais sinon, en princesse, effectivement, c'est du 100% européen, mais américanisé. Et donc, déjà, ça me semble compliqué de parler d'appropriation culturelle dans le simple fait que c'est des contes qui ont vocation d'avoir une portée universelle, en fait. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'on a tous grandi même avec les livres de Perrault et de Grimm. Alors, Grimm, ils sont allemands, les frères Grimm étaient allemands, je crois. Mm-hmm. On les a eu, les histoires, tu vois. C'est pas pour autant que. Enfin, un conte a une volonté d'éducation, forcément. Mm-hmm. C'est le concept des contes à l'origine, hein, c'était d'expliquer aux enfants des leçons de vie. Et c'est une portée universelle. Disney, quand il fait Blanche-Neige, il a surtout une idée en tête, c'est qu'il veut faire un film d'animation, ce qui n'a jamais été fait, en tout cas de cette manière-là. Oui. Il investit énormément d'argent, alors c'est son frère, Roy. C'est Roy Disney, le comptable, qui fait en sorte que ça tienne à peu près. Par miracle, ça a tenu, parce que Disney, il avait une folie créatrice sur Blanche-Neige assez folle. Et il a fait, par exemple, ce qu'on appellerait maintenant de la rotoscopie. Ça veut dire qu'ils ont filmé une vraie jeune fille qui avait 17 ou 18 ans à l'époque pour Blanche-Neige. Donc il y a un réalisme dans l'animation de Blanche-Neige qui était quand même assez incroyable à l'époque. Les animaux aussi. Les animaux aussi, hein, tout à fait. Enfin, il y a eu un vrai travail de création. Disney, on peut lui reprocher beaucoup de choses. De toute façon, l'émission ne va pas tourner sur l'homme en tant que tel. Mais c'est un créateur dans le sens que il est comme Steve Jobs, par exemple. C'est des mecs qui ont peut-être apporté des choses un peu négatives, mais il y a tellement de positivité dans l'émulsion créatrice que tu peux pas leur reprocher ça. En fait, Disney, il a été malhonnête et il s'est accaparé des choses, mais il a tellement été créatif sur beaucoup de choses. Et le but de Blanche-Neige, ça se résume à la première, en fait, du film, quand elle a été faite au Chinese Theater, il me semble, de mémoire. Il a invité tout Hollywood à l'époque et les gens ont pleuré en voyant le film. Et l'idée de Blanche-Neige, je ne pense pas que ça soit d'éduquer des enfants. Je pense que c'est un film. C'était Nostalgia Critique qui disait qu'il y a des films cérébraux et il y a des films, on va dire, qui font parler le cœur. Et là, Blanche-Neige, clairement, c'est un film qui est fait pour faire vibrer le cœur de tout le monde. C'est des concepts et des idées qui sont juste très purs, en fait, dans ce que ça donne. Il n'y a pas de. Il n'y a même pas de vouloir être méchant, de vouloir abaisser les hommes, les femmes ou quoi. C'est l'histoire, vraiment. Ça parle à raconter tout le monde. Une histoire. C'est une portée universelle. Les autres films, après, on peut toujours débattre de comment ça se crée, mais quand il fait Blanche-Neige, quand il lance ce truc-là, je pense qu'il a qu'une seule volonté, c'est de montrer que l'animation, ça peut être un vecteur d'émotion aussi fort que le cinéma traditionnel. Oui, justement, comme tu dis, c'est que, en fait, Blanche-Neige, donc, ça a été le tout premier film en animation, parce qu'avant, il avait fait une adaptation, il avait fait un petit film de Alice au Pays des Merveilles, mais là, c'était en filmé. Et en fait, le truc, c'est que je suis totalement d'accord pour dire que Blanche-Neige, c'est la moins princesse des princesses Disney, comme on l'entend maintenant, en mode celle qui fait rêver les petites filles, parce qu'elle a ce côté, c'est juste du fantastique, c'est juste du merveilleux, c'est beau. Il y a moins le côté identification, je trouve, dans Blanche-Neige qu'on peut avoir après dans des films comme 11 ans plus tard dans Cendrillon. Dans Cendrillon, où là, par contre, c'est vraiment... celle qu'on va essayer qui doit être belle, qui cherche son prince charmant et tout, alors qu'il y a beau avoir une chanson du prince charmant dans Blanche-Neige, je trouve que c'est vraiment l'une de celles, en tout cas, qui fait le moins justement syndrome de la princesse Disney, quoi. C'est juste, comme tu dis, du merveilleux. Elle parle aux animaux. Je trouve que le truc le plus important à retenir de Blanche-Neige, c'est qu'elle parle aux animaux et que quand t'es gamin, t'as envie de parler aux animaux. Moi, je pense plus ce côté-là, c'est qu'en fait, Blanche-Neige, c'est pas une adulte qui cherche l'amour, c'est une enfant qui s'entoure de choses très merveilleuses. Et c'est peut-être cette matrice-là qui sera retenue pour les autres personnages après. Je pense notamment à la princesse de la Belle au Bois Dormant qui va littéralement, c'est le cliché, elle ouvre ses rideaux le matin, il y a les oiseaux qui chantent, elle commence à leur parler, puis elle rentre dans les bois, elle chante et d'un seul coup tous les oiseaux et tous les écureuils chantent avec elle. Est-ce que finalement, c'est pas, comme tu le disais, Cendrillon et la Belle au Bois Dormant qui vont créer plus ce stéréotype de la princesse Disney? C'est pour ça qu'on appelle ça aussi le syndrome de Cendrillon, en fait. C'est le syndrome de Cendrillon, c'est un,
il y a eu de véritables études, c'est le fait que le complexe de Cendrillon, pardon, c'est les femmes qui en fait secrètement ne veulent pas leur indépendance. Donc elles veulent être soutenues, elles ont peur en fait d'être seules. Mmh. Océane. Ouais, et ce que je trouve super intéressant, c'est qu'avec ces premières princesses, on voit aussi la connexion entre elles et la nature, qui sera toujours très présente, et encore jusqu'à Frozen 2 dont on va parler tout à l'heure. C'est que toujours les princesses sont la plupart du temps en osmose avec la nature. Je repense à Pocahontas, la petite sirène évidemment, même Cendrillon qui parle aux souris, la belle au bois dormant qui chante dans les bois. Elles ont toute cette connexion avec la nature qui renforce un peu leur pureté en fait. Chez Disney, la nature est liée à la pureté, et du coup les princesses, comme elles sont en osmose avec la nature, forcément ça crée des personnages beaucoup plus innocents, parce que comme la nature, elles sont un peu fragiles, donc il faut les protéger. Effectivement, il y a cette continuité qui ne manquera pas d'être exploitée plus tard, et justement qui ne manquera pas d'être revisitée aussi, mais n'avançons pas trop loin. On a trois films, donc on a la Blanche-Neige, on a Cendrillon, on a la Belle au Bois Dormant. Belle au Bois Dormant, on est en 59, et d'un seul coup il y a un creux de 30 ans jusqu'en 89, où on va retrouver cette fois-ci cet archétype-là. Je compte pas Robin des Bois parce que c'est plus des films avec des animaux, on va dire, c'est pas des films avec des personnages humanoïdes. Mais en 89, à la suite de ce passage à vide, on va avoir La Petite Sirène qui va signer un regain pour Disney. Alors, je sais que ça peut être débattu, mais dans ce sillon-là, on va avoir d'autres films. On va voir Aladdin, on va voir Le Roi Lion, La Belle et la Bête, Pocahontas, Mulan. Pourquoi ce succès immédiat de La Petite Sirène ? Alors déjà, on va quitter l'archétype de la princesse classique comme on l'avait connue avant. Donc c'était la princesse qui subissait principalement. Elle n'était pas maîtresse de ses décisions. Elle était toujours la victime de la décision de quelqu'un d'autre. Elle était toujours aidée. Donc que ce soit Blanche-Neige ou c'est le chasseur qui lui dit de s'enfuir, que ce soit Cendrillon ou c'est sa marraine la bonne fée qui lui permet d'aller au bal, ou que ce soit la Belle au Bois Dormant ou c'est ses trois marraines tout pareil qui s'occupent d'elle. Et le prince, il n'y a pas de volonté propre. Ariel, là, on se retrouve face à une petite effrontée. Petite effrontée. C'est l'adolescente qui a 16 ans. Elle le dit dans le film, il me semble. On sait qu'elle a 16 ans, qui décide de ne pas écouter son père, qui pense savoir ce qui est bon pour elle et qui va faire ses propres erreurs par la suite, mais de par son choix. Donc on va avoir beaucoup plus d'indépendance. Est-ce que c'est lié à la société historique, à la façon dont le regard sur la femme s'était transformé ces dernières années ? Très probable. Il y a sûrement d'autres éléments et je vous invite à compléter si jamais vous pensez à quoi que ce soit. Mais en tout cas, on va avoir une image totalement différente et une identification beaucoup plus forte, parce que quelle jeune fille ou même quel jeune garçon à l'âge de 16 ans ne s'est pas opposé à ses parents ? C'est normal. Cédric, Océane ? Ah bah moi, j'étais un poisson avant, donc... non, mais je suis assez d'accord, et je rajouterais, je pense qu'il y a une autre raison... plus, on va dire, factuel. Disney n'a pas arrêté de faire des films. Ils ont pas arrêté. Ils ont eu une grosse baisse de régime. Ils étaient très en danger dans les années 80, effectivement. Et il y a eu un remonté grâce à la Petite Sirène. Il y a une saignée avec Don Bluth qui est parti. Ça aura beaucoup coûté. Il y a Walt Disney qui est mort, en fait. Ouais, il n'est pas mort dans les années 80, mais ouais, voilà. Donc il a bossé sur Robin des Bois qui est sorti en 73. Ouais. Mais donc, en fait, il est mort en 66. Jusqu'en 73, ils avaient ce projet-là. Puis après, Mais l'idée intéressante, enfin, l'idée à retenir de ce que vous avez dit, c'est qu'il y a eu trois films de princesses sous Disney. Puis il n'y a plus rien eu pendant des années, donc on revient avec La Petite Sirène. Mais pour tout le monde, Disney était lié à ces trois films, en fait. Il y a plein de films, hein. Ils étaient liés à l'imaginaire collectif, ils étaient liés. Ce sont des faiseurs de rêves, ce sont des films pour enfants. Mais avec seulement trois films, on parlait déjà d'un archétype. En fait, dans la tête de tout le monde, il y avait ces trois films-là qui restaient assez triomphants. Alors on peut peut-être prendre Bambi et Dumbo à la grande époque qui avaient énormément marqué, mais je pense qu'il y avait ce truc de se dire. Ça y est, ils reviennent avec une nouvelle histoire de jeune fille, parce qu'il n'y en avait plus. Il y avait où tu suivais des hommes, où tu suivais des animaux, où tu suivais. Enfin, mais tu suivais plus une jeune fille de 16-17 ans, et donc son parcours initiatique sur le chemin de la vie, et ainsi de suite. Donc je pense que dans tous les cas, ça a beaucoup tenu. Et en plus, même stylistiquement, il y avait une remise en question du budget, dans le sens que
les années 70 et 80 étaient très pauvres chez Disney en termes d'animation. Ils réutilisaient des animatiques. J'invite à voir la vidéo de Monsieur Bobine sur Disney. Vous avez de très bons comparatifs de certaines scènes de Robin des Bois et de Blanche-Neige, je crois, de mémoire, ou ce genre de choses. Et tu vois que c'est les mêmes scènes, en fait. Ils reprennent les mêmes animatiques. Ils ont repris. C'était des coups en moins, déjà. Et en fait, il ne faut pas se mentir. Hein, c'est beau de créer des choses, c'est beau de faire rêver les gens, mais avant tout, il ne faut pas dépenser trop d'argent. Mais c'est vrai que. On réutilisait beaucoup. Et puis, surtout, par rapport au petit creux qu'il y a eu, c'est quand il y a eu, la Belle au bois dormant, ça a fait un flop, ce film. C'est vraiment, il a coûté beaucoup trop cher et il a rapporté rien du tout. Alors que nous, on se dit que c'est un archétype, enfin, c'est un des premiers films de Disney qui nous marque quand on en parle. Mais pour autant, à l'époque, c'est pour ça qu'ils ont aussi arrêté... De traiter les princesses et ils se sont dit qu'ils allaient plutôt aller sur des animaux parce que le côté princesse, ça plaisait surtout qu'à une seule catégorie de personnes qui sont les filles. Parce que c'est vrai qu'un garçon ne peut pas s'identifier à une princesse. Évidemment, c'est ironique, vrai, hein. Mais bien sûr. C'est vrai qu'à l'époque, ils ont créé ça aussi. Pour les filles, il y a les princesses. Pour les garçons, il y a les chevaliers, les princes. Et les 101 dalmatiens. Moi, je suis plus 101 dalmatien quand même. mais par contre, c'est vrai que ça fait on pouvait tabler que sur la moitié de... parce que c'était que les enfants. Donc, on pouvait taper que sur les petites filles. Ouais. Donc, forcément, au bout d'un moment... Mais même les projets de Walt Disney, ils coûtaient cher, en fait. Quand Disney était impliqué... Le truc un peu connu, c'est que ses animateurs principaux, ce qu'on appelle les Nine Old Men, qui sont les 9 premiers animateurs qu'il a eu avec lui, dans leur salaire, en fait, ils étaient payés pour aller au cinéma, aller au musée, aller au théâtre. En fait, il fallait qu'ils se cultivent le plus possible parce qu'à chaque fois qu'ils rentraient dans un film, il fallait, par exemple, prendre La Belle au bois dormant. Il y a des... je ne me rappelle plus le courant artistique qui est mis en avant, mais tu vois les arbres et les décors. C'est des tableaux, c'est clairement des tableaux et ça pourrait figurer dans des musées. Et il y avait un vrai travail de recherche qui coûtait beaucoup d'argent, ce qui après le coup, quand Walt est mort, on a resserré la truc. Et quand La Petite Sirène sort, c'est pas le cas, il y a de nouveau un très beau budget d'animation. J'ai vu marquer parler du mouvement des cheveux dans l'eau. Ouais. Effectivement, mais tout le mouvement dans l'eau est magnifique. On salue Glenn Keane au passage, bien sûr, animateur. Mais tu vois, c'est pour ça que tu parlais de Don Bluth, il s'est barré dans les années 80. Parce qu'il disait j'en ai marre, parce que au demeurant que c'était un peu cucu, un peu gnangnan et qu'il voulait faire des trucs plus sombres, il disait il n'y a pas le budget pour faire ce qu'on veut. Et là, de nouveau, avec le changement de direction, ils se disent bon allez, on remet des sous dans l'animation et ça va cartonner de nouveau. Mais pour revenir, Océane, pardon, tu voulais réagir. C'est surtout, effectivement, ce sont des films de princesses où en plus les hommes n'ont pas beaucoup la parole. C'est ça qui, quand on y repense, la plupart du temps, enfin les 3 premiers films, c'est une jeune héroïne face à une femme méchante. Et les rares faire-valoir, la plupart du temps, ce sont des animaux. Du coup, les hommes, ils sont pas super présents, en fait. Et c'est ça aussi qui a un petit peu changé avec le retour des princesses en 89, c'est que même les love interest masculins étaient peut-être un petit peu plus développés. C'est-à-dire que Eric, il a quand même un peu plus de temps de présence, il a un peu plus d'humanité que le plus prince. Plus faillible aussi. Moi, c'est un gland, arrêtez, on aime Ariel, on aime pas ce mec. Il est plus intéressant, en tout cas, que le prince de Blanche-Neige qui dit aucun mot film. Voilà, c'est pas dur de faire mieux quand même. C'est pas dur, mais c'est vrai que c'est intéressant de voir aussi qu'ils ont, qu'en matière de scénario, ils ont redonné un peu plus la parole au mec. Le prince de Blanche-Neige, très vite. Il a pas de parole, mais parce qu'il n'a qu'un but, en fait, il est symbolique. Non, je trouve pas, je compte. Moi, c'est l'inverse, j'ai toujours vu ça, qu'elle a tellement morflé pendant tout le film, quand t'es petit, qu'elle meurt, alors qu'elle a rien mérité de tout ça quand même. T'as qu'une envie, c'est qu'à revivre. Et du coup, il y a juste une idée très forte de... Tu sais que c'est un peu con, mais t'as envie que le baiser il marche, t'as envie qu'il parte. Et il part dans un château qui est sur des nuages. Enfin, le château, il est sur rien, littéralement. Donc, le mec, peut-être qu'il n'existe pas. Bah, mais c'est au moins, une allégorie de la mort à l'origine. Elle a mérité son château, elle a mérité son prince. Ouais. Donc, il n'a pas besoin de parler, c'est bon. Mais justement, pour revenir au fait que de ce que tu disais, Océane, que les personnages masculins, on va commencer à les faire parler. Peut-être aussi, justement, pour commencer à les travailler un petit peu dans leurs contradictions et la transition toute trouvée. On peut penser à Gaston dans La Belle et la Bête, par exemple. Ouais.
Ouais, ouais, ouais. C'est pas un prince Disney, lui, par contre. Non, mais c'est le plus beau, il le dit lui-même. C'est pas un prince, mais c'est, une, c'est celui qui va se dresser en rempart contre la bête, justement. C'est ça, oui. C'est le mec qui se la pète. Qui, c'est vraiment. C'est une expression qu'on retrouve beaucoup en ce moment, mais c'est vraiment le masculin toxique dans toute sa splendeur. C'est quelqu'un qui veut. Qui s'en fiche du consentement de Belle et qui veut avoir ce qu'il veut avoir, et peu importe ce que les gens en pensent. Et c'est, pour moi, c'est une des figures méchantes les plus intéressantes de La Belle et la Bête, en tout cas, parce que ce qu'ils en ont fait, c'est vraiment un méchant qui a peur de la bête, comme on en aurait tous peur au début, mais il y a quelque chose de plus terrifiant dans son côté méchant, parce que c'est quelque chose de plus humain, en fait. C'est un peu ce mec qu'on connaît dans la rue et qui veut vraiment tout avoir, bah, c'est Gaston, en fait. Il nous fait c'est un peu le raciste, moi, je trouve. C'est vraiment, aussi, il a ce côté. Bah, ouais, c'est pour bon, moi, ouais. Il ressemble au raciste. Au tonton PMU, au raciste extrême droite. Le sort de Noël. C'est vraiment ça, je le vois vraiment comme ça. C'est ouais. Celui que tu imaginerais pas, comme tu dis, que tu peux croiser dans la rue, qu'au final. Ben c'est un gros raciste, un gros facho, et tu dis ah ok d'accord. Mais il est créé pour faire l'opposition à la bête, en fait, tout simplement, parce que face à lui, c'est quoi? Tu as un personnage hideux qui a une belle âme, et tu as un personnage beau gosse qui est horrible à l'intérieur, quoi. Enfin, et donc le Gaston marche parce que la bête marche aussi. Hein, Chloé. Qui a une belle âme, mais ça a été tout un travail aussi. C'est tout le travail du film, parce que quand on commence, le prince, il est pas mauvais, il est juste triste. Et t'as une sale tronche comme lui, et personne ne t'aime. Et tes seuls copains, c'est une horloge et une. Ouais, mais bon, tu vois. Enfin, c'est aussi c'est tout le parcours de son repentir au contact de Belle, et c'est aussi. Je voulais être lumière, Disney. Enfant, alors je m'en fous. C'est aussi un des premiers Disney où donc, la protagoniste a un intérêt autre que l'amour, et c'est le savoir et la connaissance. Et ça va changer, parce que toutes les princesses qu'on avait vues jusque là elles voulaient vivre une histoire d'amour, en fait. Ariel avait quand même la connaissance, parce qu'elle prenait les objets du monde humain, elle voulait quand même connaître un nouveau monde, enfin, il y avait quand même un truc, elle n'était pas non plus juste une mais le jour où elle aperçoit le prince, elle veut tout faire, quitte à sacrifier sa propre voix pour pouvoir arriver à l'amour. Belle, elle se sacrifie pour sauver son père auprès de la bête. C'était pas du tout un intérêt amoureux, ça se développe après quand deux personnes commencent à se connaître, mais on commençait pas du tout avec l'optique de Belle qui voulait se caser avec le prince charmant. Au contraire, le prince charmant, elle l'avait entre guillemets, c'était Gaston. Certes, pour nous, c'est pas du tout une image de prince charmant, mais c'était le meilleur parti du village dans cette réalité, dans ce film. C'est normal, et en même temps, t'as lui, t'as le fou et t'as des villageois anonymes. Tu prends lequel sur les trois? On a Alios Poulos sur le chat qui nous dit que Gaston en 2019 ferait du tuning, et je ne sais pas quoi faire de cette information. Gaston Startup Nation. Continuer, Chloé, pardon. Non, mais j'avais presque terminé, dans la mesure où ça ouvre des nouvelles portes, en fait, cette nouvelle génération de princesses à partir de Ariel, où elles sont pas juste intéressées par le fait de vivre une histoire d'amour. C'est pas la finalité dans leur vie. C'est quelque chose qui va arriver, parce que certes, la vie, elle est toujours plus belle quand on est à deux, mais c'est pas ça l'objectif final. Et ça me semble être important à retenir. On va pas. Pardon, Mélanie. C'est juste vraiment pour. Il y a l'amour, comme tu dis. Il y a aussi la beauté. Il y a aussi ce culte de la beauté. Il faut être belle et tout. Bah, Cendrillon. Soit désirable. Voilà. Cendrillon, c'est quand même. Je veux la plus belle robe pour aller au bal, quoi. Il y a un peu ce truc-là. Alors qu'avec Ariel et. Je veux les plus belles jambes. Je veux les plus belles jambes. Ouais, bon. Ah oui. Oui, là, oui. Mais effectivement, c'est vrai que donc, avec La Belle et la Bête, elle, c'est. C'est écrit dessus. Elle n'a que le nom. Mais elle n'a pas de culte de la beauté, en fait. C'est comme tu dis, elle a le culte des livres, mais il n'y a aucun moment où... Juste on lui a mis une belle robe parce qu'on savait qu'au marketing, ça se vendrait cher, quoi. C'était juste ça. Alors, marketing, on pourrait faire le bon jusqu'au marketing dès maintenant, mais ce serait dommage de sacrifier Pocahontas et Mulan. Je propose qu'on marque une pause et on reviendra du coup sur ces deux derniers films après, avant d'aborder justement la franchisation des princesses Disney dans les années 2000. On va s'écouter du coup, vu qu'on parlait de La Petite Sirène, Part of Your World de Jodie Benson, et on se retrouve juste après. De retour dans Hyperlink, votre cocktail de billets de pixels, toujours avec Mélanie, Chloé, Océane et Cédric, tout va bien? Ouais. Fantastique, on salue Osmosis Coop sur le chat qui nous chante Sous l'océan, avec également Kiri 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 qui veut une autre chanson, MacDougly qu'on salue, et Leistel aussi, qui nous parlait de Syndrome de Stockholm quand on abordait La Belle et la Bête. Alors, vite fait, oui. Vite fait, j'ai écouté tout un podcast d'une philosophe qui intervenait sur le sujet, comme quoi on dit toujours qu'effectivement, syndrome de Stockholm, mais
En fait, pas du tout, parce que à aucun moment c'est son agresseur, c'est elle qui accepte volontairement de rester. Il n'y a aucune menace et en soi, elle serait libre de partir à tout moment. La bête lui rend même sa liberté quand il voit qu'elle en souffre trop. Donc à aucun moment elle est prisonnière et à aucun moment elle peut développer ce syndrome dans la mesure où elle est absolument pas dans une situation où elle est prisonnière et que lui, il a vraiment un rôle de ravisseur ou de geôlier. Mais surtout pour finir sur le Stockholm, il faudrait qu'il soit méchant avec elle tout le temps. Parce que le syndrome de Stockholm, c'est un syndrome de défense en fait, mentale, à partir du moment où tu es tellement oppressé que tu en viens à sympathiser quelqu'un qui te fait du mal. Il fait jamais de mal, ce personnage, donc je vois pas comment tu peux parler de syndrome de Stockholm. On a abordé, je pense, La Belle et la Bête et La Petite Sirène. On a quand même deux autres films dans les années 90 qui gagnent, je pense, à être abordés, d'autant qu'ils amorcent quand même un certain tournant dans le traitement des princesses Disney, au sens où on l'entend, eh ben, c'est Pocahontas et Mulan, mine de rien, où cette fois-ci, dans Pocahontas, on retrouve toujours ce culte de la nature, des petits oiseaux et des chansons, mais avec une gravité inédite, Océane. Une gravité inédite, c'est une des premières princesses qui a réellement existé, mine de rien. Ouais. Même si son histoire a été vachement édulcorée par rapport à ce qui s'est passé en vrai. C'est un énorme traumatisme quand j'ai vu Le Nouveau Monde de Terrence Malick. Je me suis dit, ah tiens, c'est Pocahontas, c'est comme dans le Disney. Ah bah non, pas du tout. Pauvre de moi. Mais non, Pocahontas, c'est aussi une des rares princesses à avoir une suite. Parce que mine de rien, on n'en a pas parlé, mais pas mal de princesses ont eu des suites dans la période à partir des années 80-90. Il y a eu beaucoup de suites, y compris pour Cendrillon, pour La Belle et la Bête. Donc ça aussi c'est important, mais du coup Pocahontas, vraie princesse, et c'est vrai que c'est là qu'on peut peut-être parler d'appropriation culturelle, puisque c'est clairement un studio américain qui parle d'un film avec des natifs américains et qui le fait de manière, c'est vrai, un peu américanisée. C'est vrai que le film peut faire lever quelques sourcils et on comprend pourquoi. On aurait pu craindre une intrigue un peu plus manichéenne que ça, quand même. C'est vrai, c'est vrai que la fin est assez douce amère pour un Disney, c'est que elle voit partir John Smith, mine de rien. Mélanie. Oui, et puis en fait, justement, il y a aussi ce côté de, elle tombe amoureuse de. Là, pour le coup, je trouve qu'il y a un peu plus le syndrome de Stockholm de, elle tombe amoureuse du gars qui essaye de conquérir en fait sa terre. Mm-hmm. Et au final, en fait, il est gentil, lui. Oui, mais il est pas censé être gentil, justement. Il est censé en fait venir lui voler ses terres et détruire sa vie, en fait. Il est gentil parce qu'il tombe amoureux d'elle. Hein? C'est ça. C'est ça, mais il se découvre une conscience parce qu'il tombe amoureux d'elle. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu Pocahontas, il aurait colonisé le pays tranquillement sans se poser aucune question. Hein. Je sais pas. Je pense qu'il y a un côté un peu Roméo et Juliette dans le sens que c'est des camps et c'est deux personnages qui se rencontrent à travers une guerre dans laquelle ils ne sont que des acteurs et ils voient au-delà des apparences. Donc, appropriation culturelle, ça me semble toujours compliqué d'aborder ce terme-là, mais je pense que la volonté derrière Disney, c'est de reprendre une histoire. En l'édulcorant, certes, ça c'est autre chose complètement, mais je suis d'accord avec vous. Mais une histoire qui peut-être parler aux Américains, aux jeunes Américains modernes, pour dire voir au-delà des apparences, parce qu'il y a quand même des questions où, je me rappelle, il y a une chanson où elle lui dit tu me vois comme une sauvage, mais est-ce que c'est pas toi ? Il y a une chanson très dure où tous les soldats blancs, des sauvages, prennent les armes et tout. Enfin, il y a quand même des trucs qui font se questionner et qui remettent en question le jeune Américain blanc moyen qui regarde le film, quoi. Parce qu'au final, t'es du côté de Pocahontas et John Smith qui l'a rejoint. Et c'est un truc que tu retrouveras. C'est pas une princesse Disney, mais tu le retrouves dans Le Bossu de Notre-Dame, où tu as le personnage de Phébus qui est présenté comme un John Smith, justement, un soldat de la garde, et qui au final se retrouve beaucoup plus intéressant et intelligent et qui s'associe à Esmeralda pour sauver Paris. Est-ce qu'il tombe amoureux d'Esmeralda ? Pas que. Je conseille d'ailleurs la très bonne vidéo de Bolche Geek sur Le Bossu de Notre-Dame. Voilà. Mais il en a fait une autre sur les princesses Disney qui est très très complète et qui nous a bien aidé pour préparer ce numéro. On le salue et on l'embrasse très fort. Pocahontas, il y a aussi un petit côté un petit côté Antigone. C'est peut-être la première fois qu'une princesse va être mise en face de ses responsabilités politiques, littéralement. Jusqu'où est-ce qu'elle doit se sacrifier pour sauver son peuple ou pour sauver celui qu'elle aime? Est-ce que c'est pas un progrès fondamental dans la façon de représenter les princesses au cinéma? Disney, j'entends. En fait, on commence à avoir, à partir justement de Pocahontas et ensuite avec Mulan, en fait, avoir la princesse, parce que voilà, elles ne sont pas forcément toutes princesses, mais la princesse guerrière. C'est, comme tu dis, elle commence à assumer qu'elle a des responsabilités, qu'on était passé quand même de princesse passive à princesse active, donc elle va faire des choix dans la vie, à active, mais pour le monde entier. Enfin, elles sont là pour sauver des gens. Parce que c'est de l'épopée, quoi. C'est ça, c'est de l'épopée. Et surtout, en fait, c'est ce qui est très cool, je pense, à cette époque-là. Enfin, moi, je sais que c'est vraiment mon époque, c'est ma génération, que de me dire, ah, mais en fait, il y a des filles
qui peuvent essayer de sauver des gens, en fait. Elles vont pas juste penser à elles, elles vont pas essayer de se sauver elles-mêmes, elles vont commencer à essayer de sauver leur famille, à sauver leur peuple. Mm-hmm. Et en fait, en termes d'identification, quand on voit une Pocahontas ou une Mulan qui se bat pour la sauvegarde, bah en fait ça fait du bien, parce qu'on dit qu'il n'y a pas que les garçons qui arrivent à se battre, en fait. C'est qu'une mm-hmm. fille aussi peut essayer de sauver le monde. On l'avait dans des films, des films comme Alien avec Ripley et tout, mais c'est vrai qu'en termes de dessin animé, c'est la première fois où on a personnage, moi ce que j'appelle maintenant un personnage féminin fort, vraiment. Alors, je retiendrai quand même Ariel, dans le sens qu'à la fin c'est elle qui bat Médusa et elle sauve un peu tout le monde, quoi, parce que son père est transformé en vieille crevette et tout, oui, et tout, donc elle fait quand même des efforts. Médusa se prend un bateau dans le ventre quand c'est même. C'est celui-là, pardon. C'est anecdotique, je trouve, pour le coup. Alors que c'est pas l'enjeu principal, alors que dans Mulan, c'est sauver son... Enfin, que son père n'aille pas à la guerre, puis surtout, il y a une guerre. Et dans Pocahontas, c'est quand même sauver toute une tribu, voire tous les Amérindiens. Clairement. Mais je disais juste, il y a quand même eu avant des princesses Disney. Moi, je pense vraiment à elle, ou même Belle a fait quelques trucs quand même, quoi. Tu vois, enfin, elles sont pas non plus complètement passives comme pouvait l'être la Belle au Bois Dormant, ou ce genre de choses. On change d'échelle dans les enjeux, quand même. Oui. C'est ça. Forcément. Et Mulan, ce qui est encore plus intéressant que Pocahontas, c'est que Mulan, il y a le concept du travestissement. Oui. C'est un personnage féminin qui se définit pas par le fait qu'elle est une femme, parce qu'elle renonce à sa féminité pendant une grande partie du récit, ce qui est intéressant, mais ce qui est encore plus intéressant et qu'on note rarement, c'est qu'après qu'elle a été découverte comme fille, on la renvoie, donc il y a la scène forcément fin de deuxième acte triste, et elle revient en tant que femme pour sauver la Chine, l'empereur et tout le monde, et elle est adoubée à la fin en tant que femme sauveuse de la Chine. Et les hommes utilisent leur féminité pour gagner, justement, c'est ça qui est intéressant. C'est que tout le film, c'est faut être des soldats, faut être masculin, la fameuse chanson Une fille à aimer aussi. Celle-là, je l'aime bien, elle est super, en plus, parce qu'ils te montrent qu'ils sont tous tout doux et tout crémeux à l'intérieur. Non, c'est dans le 1, Une fille à aimer. Ouais, quand ils partent vers. Dans les montagnes. Dans les montagnes. Ils sont avec leur chariot. Et à la fin, on voit qu'ils assument complètement, avec beaucoup de bienveillance, leur côté féminin, là où d'autres films auraient peut-être pu se moquer. Haha, vous avez vu comment il y a un côté féminin, haha, comment ils se déguisent en femme. Bah là, pas du tout. C'est vraiment quelque chose de super assumé et ils n'ont aucun complexe à utiliser justement la féminité comme une arme, comme n'importe laquelle, comme une épée ou comme autre chose. Et c'est pour ça que j'adore Mulan. Quelque chose à ajouter sur Mulan avant qu'on passe au dépôt de marque qui va changer la donne. Moi, un dernier truc que j'aime beaucoup à la fin du film, quand l'empereur la double très militairement, elle répond par un câlin qui est très instinctif, et j'aime bien cette idée de... associer le féminin, qui est un truc beaucoup plus, on va dire, tendre. Humain. Pas forcément tendre, mais empathique. Humain. Un truc avec des sentiments, au truc très militaire et très lié aux épées. En fait, j'aime bien le fait qu'elle réussisse à tuer le méchant. Enfin, tuer. Ouais, il meurt, on peut le dire. Sans un peu d'artifice dans la figure. Mais c'est Disney, tu vois, il reviendra dans le deuxième. Bref, sans utiliser d'armes, qui est un symbole souvent connoté aux hommes et à l'armée. Et en fait, elle se sert de sa ruse, de sa féminité pour gagner, en fait. Et j'aime bien ce truc-là. Je suis désolée, mais je trouve pas qu'elle se serve du tout de sa féminité. En fait, elle se sert de son intelligence pour gagner. Et en fait, le truc, c'est que tu dis, il y a le côté émotionnel à la fin où elle fait le câlin. C'est pas parce qu'elle est féminine. C'est juste parce qu'on voit pendant tout le film qu'elle a des émotions, que c'est pas justement le côté militaire qui est très carré et tout, c'est qu'elle a des émotions en plus, en fait. Symboliquement, l'armée, tu fais pas de câlin, tu montres pas tes émotions. Bien sûr. Quand l'empereur de Chine, l'empereur du plus grand pays du monde, clairement, ça amène. Symboliquement, entre le féminin et le masculin. Entre la jeunesse et la vie, est-ce que j'aurais plus vu ça? Oui, voilà. Complètement. Parce que des hommes font des câlins, en fait. Même dans le film, ils sont tous des câlins. C'est ça. Les trois dans le film, ils sont tous des câlins à la fin. Mais comme tu l'as dit, ils sont pas spécialement des modèles de masculinité. Les seuls qui sont. Je propose qu'on regarde tous Mulan tous ensemble pour décider avec Karel. Alors, comme le disait le chat, attaquons l'exercice, n'est-ce pas? 1999, un certain Andy Mooney, ancien de Nike, rejoint la division Goodies de Disney et constate que les revenus des Goodies chutent de 30% en 1999. Et il va se dire un jour à la patinoire, comme le dit la légende, il va voir des gamines déguisées en princesses et il se dit, mais en fait, il y a des produits dérivés faciles à se faire à ce moment-là. Pourquoi on ne créerait pas une gamme de jouets qui vont s'appeler tout simplement Disney Princess, franchise déposée. Est-ce que finalement c'est pas le moment où Disney va rentrer dans une logique de vraiment, on est conscient qu'on a établi un canevas, qu'on a établi des archétypes, et maintenant on va en jouer, mais est-ce qu'ils renoncent pour autant à le faire évoluer?
Bah, je pense que pour que le canevas continue, il faut qu'il évolue de toute manière. Mmh. Si on rajoute des princesses qui continuent de se ressembler, le canevas il finit par devenir terne et les petites filles ne continuent, enfin les personnes tout simplement ne s'y intéresseront plus du tout en fait. Mmh. C'est, je pense que c'est l'un des challenges de la marque déposée Disney Princess, c'est de devoir sans cesse renouveler le roster de princesses parce que sinon bah, le public il veut la nouveauté en fait. Mmh. Il veut à la fois capitaliser sur l'ancien et Disney sait très bien capitaliser sur l'ancien, mais il faut contrebalancer ça avec un peu de nouveau aussi. Donc c'est pour ça qu'à la fois Disney Princess c'est super opportuniste et en même temps ça leur a un peu permis de se bouger les fesses et de proposer d'autres princesses un petit peu plus intéressantes. Ça donnera quand même du grain à moudre à DreamWorks, notamment dans Shrek. Ah oui. Avec le catalogue, c'est peut-être le coup de grâce qui va peut-être un peu chaos debout Disney dans les années 2000. Terrain-là. C'est la subversion du trope de la princesse et cette scène dans le premier film avec le miroir magique. Le téléachat, oui. Le téléachat des princesses, mais c'est. On imagine très bien un exécutif chez Disney avec le petit diaporama dire bon, alors je vous propose ça et ça. On imagine très bien que ça ait pu se passer comme ça en fait. Et le personnage de Fiona, au final, qui. Dès qu'on la voit, on se dit ah, oh, ça va être aussi la belle princesse en haut de sa tour, jolie robe, jolis cheveux. Puis quand elle commence à se mettre à rôter et à faire exploser des oiseaux en chantant. En fait, c'est agréable parce que on a l'impression de qu'on s'est un peu moqué de nous à essayer d'entretenir ce stéréotype. Mmh. Et là, vraiment, on met le doigt dessus en disant « T'as vu, ça fait mal hein, quand on t'appuie là où vraiment tu as essayé de nous avoir. Mmh. » Mmh. C'est pour ça que c'est une belle princesse. Une fille, ça peut roter, une fille, ça peut péter, une fille, ça sait se battre. Une fille est un être humain comme les autres. C'est ça, non mais voilà, on casse le stéréotype de la belle princesse. C'est un ogre comme les autres au final. Oui, ouais, mais elle a... Pour le coup, c'est pas de naissance, elle a eu un mauvais sort. Non, mais c'est ce qui est intéressant d'ailleurs, parce que de naissance, on te dit qu'elle doit être belle et bien apprêtée tout le temps. Tu seras belle aux yeux de ton amour. Voilà, et le film te montre que la beauté est dans l'œil de chacun. En fait, chacun voit la beauté comme il a envie de la voir. Et bah, Shrek, il l'a trouvée déjà jolie, on va dire, en humaine. Il la voit encore plus belle quand elle est plus naturelle, quand le fond, les rototos et la forme vert avec des oreilles en pointe s'associent. Effectivement, et tu vas voir cette confrontation entre le regard du prince charmant et le regard de Shrek dans le deuxième, où justement, pour qui faut-il se faire belle finalement? Pour soi. Pour soi. Voilà, je pense que c'est ce que nous apprend Fiona énormément. Hein. Mm-hmm. C'est que c'est elle d'abord qui se sent bien. Et elle se sent bien avec la personne qui accepte qu'elle se sente bien en fait. Et surtout que dans le 2, le malaise il vient pas d'eux, il vient des parents. Oui, il vient des beaux-parents qui acceptent pas c'est du tout Shrek quoi. Grosse scène, oui, Océane, pardon. Du coup, de Marraine la Bonne Fée qui, justement, c'est un trope subverti de la Marraine la Bonne Fée qui est censée être ultra bienveillante avec Cendrillon et qui d'un seul coup se transforme en son pire cauchemar et qui décide d'engager le sosie de Jamie Lannister pour épouser Fiona quoi. Alors, c'est son fils, mais je pense que la marraine la bonne fée, tout le long du film, elle pense bien faire. Parce que, en fait, elle est mandatée parce qu'elle est censée représenter un conte de fées pour réaliser ce que la princesse doit accomplir, c'est-à-dire épouser son prince. Et le fait que la princesse ait fini avec un ogre, bah, ça colle pas. Donc pour elle, sa mission, elle est toujours bienveillante vis-à-vis de Fiona. Elle va un peu la rouler dans la farine, elle va la manipuler pour... Donc elle est pas très bienveillante. Elle l'aime autant avec Shrek, elle est violente, autant avec Fiona, elle est toujours douce et en fait, elle pense que ce que elle veut pour Fiona, c'est ce qu'il y a de meilleur. C'est elle qui confond l'éducation et le conditionnement en fait. Ouais. C'est ça. Bah, c'est surtout c'est elle qui est conditionnée. Elle est conditionnée que les princesses doivent épouser des princes et pas l'inverse. Donc ce que dit Chloé, c'est elle est pas méchante dans le concept que elle se dit oh là là, j'ai mal fait mon job, il y a un truc qui a merdé un moment, ça s'est pas passé comme ça aurait dû se passer, donc il faut réparer l'erreur. Chloé. Non, c'est Cédric qui a très très bien résumé en fait. Mais tu avais très bien dit. Mais du coup, comment Disney réagit à tout ça? Mal. Est-ce qu'ils... Mal? Ils se regardent... voilà, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des suites en VHS, en DVD? Ils font quoi? C'est quoi leur réponse au cinéma? Bah on arrête la 2D, on fait de la 3D. Bah si, c'est ça. Faut parler de l'échec de La Princesse et la Grenouille, je pense. Mais entre-temps, il y a un petit film live quand même qui va essayer Disney va se regarder un petit peu peut-être et se poser des questions sur lui-même aussi. C'est ça. Bah, à la fois, il se pose des questions et en même temps, il se célèbre comme jamais dans Il était une fois. Mm-hmm. Donc le titre original, c'est Enchanted. Mm-hmm. Donc c'est l'histoire de Gisèle, une princesse Disney qui chante avec les animaux, qui attend son prince charmant et qui se retrouve catapulté en live action dans un New York qui ne croit plus trop en l'amour. C'est un isekai.
Allez, tu sors. Passe-moi tes notes, je fais la suite si tu veux. Mais tu... Ah. Continue, Océane, pardon. Et donc, l'intérêt du film, c'est effectivement de revenir sur beaucoup de décennies de princesses, comment elles ont évolué, quel est le futur de la princesse, comment une princesse peut être à la fois moderne en même temps garder d'anciens aspects, puisque Gisèle, ça reste quand même une princesse extrêmement moderne, parce qu'à la fois, elle a ce côté très pur, très naïf, mais le film te dit, est-ce que vraiment... c'est du passé d'être, de vouloir être naïf et de vouloir une belle histoire d'amour. Et je trouve que le film te dit que tu peux vouloir une belle histoire d'amour tout en ayant une vie super moderne, en étant la belle-mère de quelqu'un sans forcément la notion maléfique. Voilà, parce que, mine de rien, à la fin de Il était une fois, c'est une famille recomposée qu'on a. Et ça, c'est pas anodin pour un Disney qui, justement, ils vécurent heureux et eurent des enfants, ils vécurent ensemble toute leur vie. Le film te montre que non. Vivre ensemble toute la vie, parfois ça ne fonctionne pas, mais que les familles recomposées, parfois, c'est un autre conte de fées, peut-être plus moderne, mais qui marche tout autant. Et c'est pas forcément un film auquel on pense en premier quand on pense Disney, pourtant c'est un film qui a bien marché. Il y a une suite qui est prévue depuis des années qui s'appelle Red Disenchanted, donc on n'a pas trop de nouvelles, et en plus il y aurait Amy Adams qui reviendrait. Ah bon? C'est toujours ce qui est, son nom a toujours été rattaché à la suite, mais on attend des nouvelles. Est-ce que c'est encore dans les projets de Disney ou pas, on ne sait pas. Elle est un peu plus libre du DCU maintenant que Lois Lane. On va peut-être pas revoir Lois Lane avant un moment, donc elle a peut-être un peu plus de place dans son calendrier. Amy Adams, pour moi, en Gisèle, je la trouve parfaite. Quoi. Elle est formidable. Ouais. Elle est incroyable. C'est un film où justement... Le côté dessin animé faisait qu'on ne pouvait pas forcément s'identifier aussi, tout simplement, parce que ça reste de l'animation. Et là, on commence à s'identifier un petit peu plus. En plus, Amy Adams a ce côté elle est très jolie, mais c'est pas... En fait, elle a ce côté aussi très simple. Ouais. C'est pas une surbombe, quoi. Elle est juste très jolie. Non. Personnellement, je la trouve très naturelle. Ouais, mais elle est très naturelle. Ah oui, bien sûr. C'est que justement, ça fait que dans ce sens-là, oui, elle est quand même. Hashtag vocab like this. Mais d'ailleurs, au fur et à mesure du film, ses robes sont de plus en plus dépouillées parce que là, sur la jaquette, on voit son énorme robe de mariée. Et plus le film avance, plus elle se fait ses robes avec des rideaux, avec des tapis, et elle va une sorte de certain dépouillement. Et jusqu'au fameux bal où tout le monde s'attendait à ce qu'elle soit en robe de princesse, ben non, elle débarque en robe super moderne, un fourreau super moderne. Et ne serait-ce qu'au niveau des costumes aussi. Le film est très intéressant parce que les princesses et leurs robes, c'est une grande histoire d'amour, c'est ce qui les conditionne justement pour le marketing et tout ça. Et je trouve qu'Il était une fois, c'est un des films qui utilise le mieux le concept de costume. Quand elle sort des égouts mais qu'elle galère avec sa robe, c'est à mourir de rire. Du coup, rose ou bleu la robe, du coup, vu que j'ai pas vu le film. Bleu, très bien. Alors moi, je préfère sa robe bleue, ouais. Comme Marine Labotte fait, du coup. Très bien. On a mentionné très rapidement un autre film qui n'a pas aussi bien marché, La princesse et la grenouille. Ouais. Va peut-être être le dernier clou dans l'animation 2D Disney avant qu'on passe à réponse évidemment. En gros après le Roi Lion, Disney va faire que baisser. Enfin, dans les années 90, on s'en rend pas trop compte en termes de revenus, de recettes, parce que ça reste de très bonnes recettes et que le Roi Lion avait explosé tous les records. En fait, ils ont explosé les records coup sur coup avec tous les films Petite Sirène, Belle et la Bête, Aladdin et le Roi Lion. Et après, à partir de là, ça commence à baisser. Et ça devient très très problématique au moment de Atlantide, la planète au trésor, et le coup de grâce, c'est La Ferme se rebelle, où Disney dit bon, on va arrêter l'animation 2D, on passe à l'animation 3D, ce qui n'était pas forcément mieux. Et il se passe qu'en 2007, je crois, le contrat qui liait Pixar à Disney devrait se terminer, et il est reconduit à vie. En fait, ils décident d'être rachetés, ils disent ok, parce que le contrat initial de Pixar était que on fait 7 films. Produit par Disney, on va dire. Jusqu'à Wall-E, effectivement, de mémoire. Et après, on est indépendant. Et donc, comme ça s'est toujours très bien passé, qu'ils ont toujours eu une liberté créatrice, Disney veut les racheter définitivement. Ils acceptent à plusieurs conditions. C'est John Lasseter, le patron de Pixar, qui va devenir le directeur créatif de Disney Animation. Il dit, ok, mais moi, je veux deux choses. Vous laissez Pixar tranquille, créativement parlant. Vous les laissez toujours avoir leur processus de création. Disney n'a pas à rentrer dedans. Ce qui, pour l'instant, est toujours le cas. Et on refait de l'animation 2D parce que c'est Disney qui a créé les films d'animation en 2D. C'est pas normal qu'on ait arrêté, donc on va le faire. Et donc arrive La Princesse et la Grenouille, qui est un projet chapeauté par Lasseter, entre autres. Pour ce faire, il s'inscrit dans la tradition, on va dire, la nouvelle tradition des Disney. Il reprend des animateurs justement de La Petite Sirène de mémoire. Ron Clements et John Musker la réalisation. Clements et Musker qui sont à la réa, qui font appel à leurs animateurs fétiches. Et le film est un bide.
un bide assez sévère qui donc fait dire à Disney bah non, on arrête de nouveau l'animation 2D après un essai. Et du coup, qu'est-ce qui plante? C'est uniquement l'animation 2D? Est-ce que c'est le traitement du sujet? Qu'est-ce qui coince? Bah, il y a plusieurs choses. Déjà, le fait est, j'en ai parlé un peu en off, mais en VO, les personnages, c'est les personnages noirs. Donc déjà, c'est une princesse noire, c'est la première princesse noire de Disney. Si on nommait Pocahontas, mais elle n'est pas noire, mais voilà, on va dire c'est la première, c'est la deuxième de couleur. Il y a aussi Mulan qui est asiatique. Oui, pardon. Aussi, voilà. Oui. Donc c'est. Mais c'est vrai, je pensais d'un prisme très américain en fait, très américain. C'est la première de couleur pour eux. Et elle a un accent. Donc déjà, pour beaucoup de gens, c'est raciste parce qu'elle a un accent. Seulement, bah, malheureusement, il y a des gens noirs qui ont des accents. C'est comme ça. Et ils ont très beaux accents en plus en VO, les personnages, je trouve. En plus de ça, mine de rien, un travail pour un mec qui a bossé dans les champs de coton, c'est sous-entendre. Enfin, il y a pas mal de choses qui sont très, très touchy. Je pense que la volonté de Disney n'était pas de créer des problèmes raciaux. Il voulait vraiment créer l'histoire sur l'histoire d'une princesse qui n'en est pas une, en fait, parce qu'elle est une travailleuse du peuple qui va être confrontée à un prince. Pas arrogant, mais disons un peu. Il se la coule douce, quoi. C'est un mec qui vit bien et il va leur arriver une aventure fantastique. Et je sais pas trop pourquoi le film a pas marché, parce que moi, personnellement, je l'aime beaucoup. Je trouve les chansons très, très bien. Enfin, visuellement, le film est super. Il y a de très bons sidekicks comiques. Il y a des personnages qui ont des destins dramatiques et qui te font très pleurer, je pense. Et un sacré méchant aussi. Ouais, le méchant Docteur Facilier, il est incroyable. C'est Prince le méchant. C'est Prince rencontre Slash rencontre Jack Skellington. Mais ouais. Et même la. Comment elle s'appelle? La Luciole, c'est Louis, je crois. Enfin, il y a des personnages qui ont des destins dignes de tragédie grecque qui sont magnifiques, quoi. Et le film ne prend pas parce que. Je pense que c'est plus dans l'air du temps. Les princesses à l'ancienne, c'est plus vraiment l'air du temps. Et comme vous l'avez dit, Shrek a un peu pointé du doigt ce qui n'allait pas. Et même si Disney, avec Il était une fois, et Princesse à la grenouille, commence à changer les trucs, c'est des personnages qui peuvent être du peuple, par exemple, comme dans le cas de Tiana. Tiana. Ou des personnages qui sont complètement fish out the water, enfin un poisson hors de l'eau, comme Il était une fois. C'est pas encore la formule qui plaît. Chloé, Mélanie? Après, peut-être que c'était pas non plus le bon moment. Donc après, Disney qui avait eu des années difficiles, faire venir un personnage noir, une nana qui travaille. On s'était déjà éloigné de l'archétype de la princesse, en fait. Donc c'était comme s'il proposait un genre nouveau. C'était presque normal que ça fasse un bide, entre guillemets. Certes, on voulait que ce soit une princesse, canoniquement. Mais ça peut ne pas marcher. Et on voit qu'en tout cas, ils ont repris du poil de la bête avec, avec Réponse qui arrivera... C'est en 2011, 2010, 2011, ouais. 2011, donc 2 ans après, c'est rien du tout. Il devait déjà être en préparation au moment où La Princesse et la Grenouille est sortie. Parce qu'au vu de l'animation 3D, il faut quand même un certain temps pour réaliser ce genre de film. Et là, ça a été un boom. Mais est-ce que c'est pas parce qu'on revient sur la princesse un peu plus infantile, celle qui va chercher à s'émanciper de sa mère et donc vraiment des relations familiales pour faire son parcours initiatique, plus que Tiana qui était déjà dans son parcours initiatique? C'était peut-être juste la formule en fait, de La Princesse et la Grenouille qui marchait pas dans la formule princesse comme on la connaissait. Ils espéraient que ça aurait fonctionné, mais en fait, la recette était trop différente. Mais ça a amené aux princesses qu'on a maintenant. Un film qui se voulait à l'avant-garde, mais qui peut-être nageait un peu trop à contre-courant à l'instant T. Océane ? J'ai juste un dernier truc sur La Princesse et la Grenouille, c'est qu'on parle quand même d'une princesse qui est en grenouille pendant une grande partie du film. Ouais. Je me demande si ça n'a pas un peu refroidi aussi, parce que c'est la première princesse afro-américaine et elle passe les 3/4 du film en grenouille. Ah, c'est une question qui est intéressante. Bah, il y a un débat actuellement sur ça. Parce que les noirs transformés en animaux dans tous les films. Parce que Soul de Pixar, le prochain Pixar, le héros est noir, va être doublé par Jamie Foxx et pourtant il va être transformé en une petite entité de dame parce que le personnage meurt en fait. C'est ça le but du film. Et du coup, on peut se poser la question de c'est bien d'avoir plus de représentativité, mais si en attendant, c'est pour que pendant les 3/4 de vos films, ils ne soient pas sous leur forme normale, bah, je peux comprendre qu'à un moment donné, les gens sont un petit peu frustrés. En effet, Sébastien, un peu. C'est ça. Ouais. Bah, c'est Shaggy qui l'a joué dans le live action de ABC. Il y a aussi le côté. C'est drôle parce qu'au final, quand on voit dans les films d'horreur, c'est toujours le personnage noir qui meurt en premier. En fait, on aime bien les faire disparaître. Les tokens, c'est des tokens. Hein. En fait, faut pas oublier que on disait tout à l'heure que il y a une partie de la population, donc pour les princesses c'était les petites filles, mais en fait il y a des gens noirs et forcément quand ils voient que ils sont virés dès le début, forcément. Après, dans le cas de Pixar, je vais peut-être pas mettre ce truc-là. Je trouve comme d'habitude les gens aiment bien pointer du doigt et crier à tout va, mais Pixar ils ont toujours fait des trucs de transformation. Enfin, aussi, avant qu'il y ait des premiers humains, on a suivi des jouets, des insectes, et il y avait des acteurs noirs qui les doublaient. Donc je suis pas d'accord avec ce truc-là. Comme ça, quoi, enfin, tu vois, tu suis Inside Out, la petite fille, tu la vois jamais. Ce qui t'intéresse, c'est les émotions, c'est les 5 personnages
tu la suis pas elle, tu vois. Tu vois, on pourrait, mais on pourrait pour reprocher Saul, ça. Pour Saul, par contre, c'est vraiment, c'est lui le héros, en fait. Oui, bien sûr, mais en même temps, s'il meurt et qu'il est transcendé par quelque chose, tu vois, je suis pas... Parce que c'est vrai que j'ai vu pas mal d'articles issus de sites vraiment afro-américains qui pointaient ça du doigt et qui pointaient vraiment tout ce type de problème avec plein de personnages dans plein d'œuvres de fiction, et c'est, je trouve, un point qui se tient complètement. Ça arrive plutôt parce qu'il y a le problème avec... je finis sur ça, sur Will Smith qui devient un pigeon. C'est plus ça le problème. Il y a une animation sur Will Smith qui devient un pigeon, et je crois que c'est plus ça le vrai souci qui pointe du doigt. Je suis navré de vous interrompre, mais je voudrais surtout pas que Réponse et la Reine des Neiges soient les parents pauvres de ce numéro, donc je propose qu'on fasse une pause tout de suite. On va s'écouter Maria Lucia Heiberg-Rosenberg, un morceau qui s'appelle La Detske. Mais vous le connaissez, ce morceau, mais pas dans cette langue. Là. A tout de suite. De retour dans Hyperlink, votre cocktail de bulles de pixels, toujours avec Mélanie, Chloé, Océane et Cédric, tout se passe bien. Elle était sympa cette pause musicale, hein. Je vois le chat qui chante toutes les chansons et d'un seul coup quand c'est en VO, hein, ça, y a plus personne. Donc le Nord en force, je vois effectivement sur le chat de Kiri 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 et Lifestyle qui nous dit que c'est l'équivalent de Rickroll mais en dessin animé. Et Kiri Kiri de demander, tout le monde a vu Frozen 2 ? Qu'on ne divulgage pas, rassure-toi, on ne va pas divulguer. Gâcher le film, je propose qu'on en parle tout de suite. C'est parti pour la critique. Mais c'est de la merde! Alors, Frozen 2, Cédric, on a eu la chance de le voir un peu en amont de sa sortie. Donc on a bien pu prendre du recul sur ce film, prendre le temps de le digérer. Il y a beaucoup de réactions. Est-il meilleur? Est-il moins bon que le premier? Dis-nous tout. Alors déjà, on va commencer par faire un tout petit résumé de ce que c'est que l'histoire. Qu'est-ce qui se passe dans Frozen 2? Donc, 3 années ont passé depuis les événements qui ont permis à Anna et sa sœur Elsa de se retrouver. La paix règne enfin sur Arendelle. Mais depuis quelques temps, Elsa, la Reine des Neiges, entend une voix qui tente de communiquer avec elle. Un soir, après être parvenue à rentrer enfin en contact avec cette dernière, mais Elsa se réveille sans le vouloir, la colère de 4 puissants esprits élémentaires qui obligent la ville à être évacuée en urgence. Il est temps pour Elsa, Anna, Christophe, Olaf et Sven de repartir à l'aventure dans une ancienne forêt où demeureraient les esprits. C'est le début d'une quête où il va être question de sacrifice, de révélation, de transformation, car la forêt est un lieu dont on ne ressort pas intact, comme dit Olaf, et nos héros vont vite le comprendre. C'est donc la suite de Frozen 1, La Reine des Neiges, la suite donc du succès de 2013. C'est le 58e classique Disney Animation et il est encore et toujours réalisé par Chris Buck et Jennifer Lee qui signe aussi encore une fois le scénario. Alors le film vient clore une année auréolée de gloire pour Disney qui a enchaîné les succès financiers et tout porte à croire que la suite du plus gros succès récent de Disney Animation ne va pas déroger à la règle. Mais plutôt que de parler de sous, on sait que ce qui compte pour toi c'est la réussite intrinsèque du film. Et qu'en est-il de ce côté-là? Pour moi, personnellement, hein. C'est un des films les plus réussis de Disney de ces dernières années. Voilà, excusez du peu. Déjà, l'animation CGI qui a encore fait des progrès, donc ça c'est un peu succédané de dire ça à chaque fois qu'on voit un film Disney ou Pixar, mais faut le signaler, il y a encore une fois Disney, ils savent que graphiquement ils sont à la pointe, donc on va tenter de jouer sur l'esthétisme et ça se voit, là il y a de très belles couleurs automnales, il y a de très beaux teintes de rouge, de rose, de fuchsia, enfin ils ont compris que le 1 avait été très tenu pour ses couleurs bleues glaciales et là il fallait jouer sur d'autres teintes et ça marche très bien et donc ils sont extrêmement bien placés dans la course au graphisme qui pourrait allègrement gagner. Et en plus de ça, le film n'est pas une redite du premier, ce qui est très important parce que de nos jours il y a plein de films qui se tentent de dire on reprend le 1, on fait la même et voilà, là c'est pas du tout, j'ai une nouvelle histoire complètement, vous allez suivre les mêmes personnages, of course, mais l'histoire est complètement nouvelle, c'est pas du tout ce qu'il y avait dans le 1. L'intrigue en plus, elle est simple, mais elle est très efficace pour moi, et elle a plusieurs bons points comme, on va dire c'est un mini-spoil, mais sans en être un, mais il n'y a pas de vrai méchant en soi, il n'y a pas de vrai antagoniste, si ce n'est peut-être les personnages eux-mêmes, et il y a des vraies réflexions sur l'impact environnemental et ce genre de choses, donc c'est plutôt pas mal. En plus, le retour des chansons, on en parle. Même si elles sont dans la même veine que le premier et qu'elles remplissent un peu le cahier des charges, il faut une chanson pour Olaf, il faut une chanson pour Elsa, il faut une chanson pour ainsi de suite. Je trouve personnellement qu'elles sont mieux gérées, elles sont mieux incrustées dans l'histoire où dans le premier il y en avait 5 d'un coup, puis après on n'en avait plus pendant un temps. Là il y en a un toutes les 20 minutes, alors ça peut saouler, on peut avoir l'impression qu'il y en a plus, mais je trouve que c'est un peu mieux géré. Je trouve un peu mieux composé et surtout mieux réalisé visuellement. Dans le premier, une chose qui m'avait un peu embêté, c'est que
quand Disney fait des chansons en 2D, c'est des trucs visuels assez fous. Pensez à Aladdin avec le génie ou ce genre de choses. En 3D, ils se prennent pas la peine de faire ça. Ça fait très chorégraphie musicale. C'est vraiment très comédie musicale. Dans Frozen 2, il y a quelques passages, il y a quelques chansons, dont la chanson de Kristoff ou même une chanson de Elsa, un moment, où ils se permettent des petits moments visuels intéressants. Et ça fait quand même plaisir parce qu'on le voit plus beaucoup dans les Disney en 3D, ces choses-là. En plus, dans les autres points très positifs pour moi, le film propose des personnages féminins forts dont l'intérêt ne se repose pas sur un féminisme opportuniste artificiel post-Weinstein. Je remercie encore une fois, c'était Butch qui avait mis cette phrase. Et c'est un procédé qui est devenu la grande spécialité d'Hollywood et de Disney, particulièrement depuis 2-3 ans, mis à part Les Indestructibles 2 de Brad Bird. Et un raccourci dans le temps, film pas très connu ni aimé des gens, mais qui avait été écrit par Jennifer Lee, justement, la scénariste de Frozen. Coïncidence, je ne pense pas. Et le petit point négatif pour moi, c'est peut-être le personnage d'Olaf qui est toujours aussi agaçant. Je sais que tu as du mal avec lui, mais je lui reconnais que par rapport à beaucoup de sidekicks qui tirent la couverture à eux et qui font un peu les fanfarons, il a un côté doux, innocent qui me plaît bien en fait. Je suis pas fan de tout ce qu'il fait, mais il n'impose pas par rapport aux autres personnages le fait qu'il ait un sidekick rigolo quoi. Alors tu t'entends, tu es quand même dithyrambique sur le film, mais les retours critiques sont peut-être un peu plus mitigés. Il y a beaucoup de gens qui apprécient cette suite. Il y a pas mal de critiques qui lui reprochent d'être un peu trop simplet, là où le premier allait peut-être un peu plus droit au but. Perso plus simple, plus innocent, enfin voilà, il y a film un peu brouillon aussi, pas mal d'intrigues qui se court-circuitent les unes avec les autres, excuse-moi. Est-ce que le film est pour autant si creux que ça? Alors non, pour moi, je pense que le film, au contraire, il est bien plus profond que ce que la plupart des gens ont voulu le voir. Le film, pour moi, est une ode sincère à la transcendance et au sacrifice à faire pour pouvoir s'élever et avancer sur le chemin de la vie. Par exemple, la chanson principale, enfin, l'une des chansons principales, Show Yourself, elle utilise au climax de son thème, donc un moment d'une grande révélation, un thème aux connotations plus mythologiques qu'on entend plusieurs moments du récit, et je trouve ça assez malin dans la manière dont ça le traite. En plus, sous couvert d'un film pour enfants, de Jennifer Lee, qui est donc la scénariste du film, un raccourci dans le temps, ou même elle a aidé à Zootopie ou Vaiana ou Wreck-It Ralph. Elle est devenue la chef créatrice de Disney, donc on pourra en reparler, c'est très important. Elle succède à la CTR. Encore une fois, elle parvient à proposer une histoire que je trouve hors des clichés de narration classique. Donc je parlais de l'absence d'un antagoniste, mais il y a une réflexion sur l'élévation spirituelle plutôt que physique. Je pense au fait, entre autres, que beaucoup de gens ont demandé à tort et à cri que Elsa soit clairement lesbienne et une copine. Ce n'est pas la volonté de Lee. Elle a d'autres ambitions pour son personnage qui sont bien plus. Une élévation plus spirituelle, je trouve, en tout cas. Des enjeux plus abstraits, ouais. J'aime bien cette expression, effectivement. Et elle avait déjà montré son talent pour écrire des histoires avec des personnages souvent féminins qui doivent passer par des séries d'épreuves qui les obligent à revoir la façon dont elles se perçoivent elles-mêmes. Je pense à Zootopie, par exemple, ou Vaiana. Et ça me fait un peu penser à Rebecca Sugar, en fait, l'écriture de Rebecca Sugar, la créatrice de Steven Universe, avec Kirker sur Sugar. En plus, c'est vraiment une grosse théorie de ma part, mais j'ai l'impression qu'elle se sert de l'utilisation des esprits élémentaires pour faire une allusion aux figures alchimiques des éléments, comme Quaron le faisait dans Gravity et Roma. En fait, l'élévation se passe par des séries d'épreuves où Elsa et Anna vont devoir faire face aux éléments. Là, je vais pas rentrer dans les détails parce que ça spoilerait trop l'intrigue, mais il y a pour moi beaucoup de points qui fait que c'est pas juste un gimmick, c'est les quatre éléments et c'est joli. Il y a quelque chose de plus profond et spirituel que ça, et je vous renvoie à la vidéo de Monsieur Bobine sur Gravity qui explique parfaitement le concept alchimique des éléments. Il a hacké la critique, incroyable. Forcément. Ensuite, Kristoff, faut parler d'un personnage qui est mis plus en retrait que dans le premier film, mais je trouve devient, si on peut dire, un prince Disney, et il est peut-être l'une des premières figures positives de masculinité que Disney pouvait donner. Il n'est jamais vraiment mis en avant et n'essaie pas de s'imposer face à Anna et Elsa. Il respecte le choix d'avancer de son amoureuse et il est un soutien moral dans les différentes épreuves. Il n'a aucune honte à avouer ses sentiments dans une chanson qui frôle le ridicule, mais qui, je pense, indique tout simplement que le personnage est au-delà des apparences et qu'il n'en a rien à faire d'être ridicule. Il aime Anna et il a juste envie de le crier sur tous les toits. Et il me rappelle un peu le personnage du coup de Charles Wallace dans Un raccourci dans le temps que personne n'a vu. Ah si, si. Si, tu l'as vu. Non, mais de toute façon, il est super, Un raccourci dans le temps. Et bon, on en reparlera. En plus, je vois un parallèle intéressant entre les deux sœurs et même Olaf, qui subissent des épreuves similaires malgré leurs différences, on va dire, sociales et même culturelles. Il y en a une qui a des pouvoirs, il y en a une qui n'a pas de pouvoir, il y en a une qui n'est pas humain. Et donc, peu importe notre statut, les véritables épreuves sont universellement transcendantes, je pense. Donc, en conclusion, je vais reprendre une pensée de George Lucas. Pourquoi ? Parce que qui pense que les mythes, les religions et l'histoire de tout temps peuvent se résumer à une bataille du bien contre le mal, ou plus prosaïquement, de l'altruisme contre l'égoïsme. Et vu sous cet angle, je pense que Frozen 2 peut être vu comme la réponse à
Frozen, premier du nom. Là où le premier film a marqué les esprits par son élan de liberté et la vision d'Elsa sur l'indépendance tournée vers soi, Frozen 2 propose une vision plus spirituelle et propose une bataille de l'âme face au corps et une réflexion sur les connexions sociales. L'homme est un animal social, on le sait tous, et chacun peut jouer un rôle transcendant pour lui-même sans avoir à se mettre en avant et écraser les autres. Et je pense que cette vision moins égoïste des choses peut poser problème justement à ceux qui avaient aimé les aventures de Elsa dans le premier film. Mais si on enlève ça, il n'en reste pas moins que sous couvert d'un film pour enfants produit par la boîte la plus consumériste qui domine le monde entier, Frozen 2 est un très beau divertissement qui parle aussi bien à tous et en plus de tout ce que je viens de dire, on peut y voir la relation des deux sœurs qui continue à se développer, qui est très intéressante, le parcours d'Olaf qui essaie de comprendre ce que c'est qu'être adulte et avoir des sentiments plus complexes que ce qu'il avait dans le premier film. C'est en plus très beau, il y a un super doublage, la musique est très très belle, les chansons sont toujours très sympas et donc vous obtenez une des œuvres les plus sincères que Disney a pu produire ces dernières années et ça me fait très plaisir. Et ben, ça nous fait plaisir que tu te sois donné sur cette critique. Merci beaucoup, Cédric. Bon, Monsieur Bobine toujours, hein, évidemment. Charlie lève les deux pouces de l'autre côté de la vitre, donc c'est parfait. On va saluer au passage. On a eu deux subs pendant ta critique, figure-toi. On va saluer Didou Dadadi et XP78. Voilà, on a eu deux abonnés, donc voilà, comme quoi tu séduis les foules. On va revenir à Frozen. Du coup, Frozen 2, qui l'a vu autour du plateau? Je crois tout le monde. Océane, je t'ai vu un peu froncer les sourcils parfois. Que se passe-t-il? Oui, bah en fait, je suis d'accord avec pas mal de choses qu'il a dit. Après, c'est vrai que moi j'ai eu un peu plus de mal avec l'incrustation des chansons justement. À savoir que moi je l'ai vu en VF et que j'ai été assez déçue par la VF et par les traductions des chansons. Ça mais je l'ai vu en VO, c'est vrai que j'aurais dû le préciser, ouais. Moi j'ai vu en VO. Et sinon il y a un point que j'ai trouvé très intéressant, c'est que le film tout simplement questionne le passé de Arendelle tout simplement. Mm-hmm. Arendelle c'est les États-Unis et la forêt ce sont les Native Americans tout simplement. Mm-hmm. Et c'est pas anodin que Chris Buck, que l'un des co-réalisateurs, a travaillé sur Pocahontas et pour moi c'est clairement une filiation complètement pertinente. Mm-hmm. Et je trouve ça très gonflé de la part de Disney à Thanksgiving, de sorte, parce que le film, oui. Voilà, il y a un indice au début du film, on comprend que c'est pendant Thanksgiving, il y a un énorme repas avec une dinde, ils chantent tous, on est heureux, on est reconnaissant. Et bien le film se déroule pendant Thanksgiving et te dit qu'en fait, Arendelle, c'est un petit peu les États-Unis et avec la forêt, quoi. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment super intéressant et super gonflé de la part de Disney de mettre un message en mode souvenez-vous que Thanksgiving, ça s'est un petit peu construit sur des très mauvaises intentions. Et c'est pour ça que je pense aussi que Disney profite que Arendelle soit un pays qui est censé être européen. Mais au final, je pense que ça sert surtout à camoufler le fait que pour eux, Arendelle, c'est une vision des États-Unis. Extrêmement blanche encore, même si cette fois il faut un effort avec un des personnages d'Arendelle, Matchas, qui est noir. Et ça, c'est intéressant aussi. Et Sterling K. Brown, justement, qui le double en VO, il avait insisté sur l'importance dans des films comme Frozen d'avoir aussi plus de représentation au niveau racial, parce que certes, on a des meufs bien, c'est cool, mais il faut aussi avancer un peu sur tous les terrains. Et c'est pour ça qu'après, moi, j'ai quelques soucis avec l'histoire. Je trouve qu'elle part un peu dans tous les sens. J'ai un problème avec l'incrustation des chansons. Je trouve que, justement, le rythme, parfois très dramatique, est trop cassé par des blagues d'Olaf. Ça m'a un peu rappelé l'effet Marvel. Et ça, oui, franchement... Ouais, ça, je suis d'accord. Ça, j'étais vraiment dingue. Il y a des moments ultra dramatiques où j'étais vraiment à fond dedans, en mode « Ah bah tiens, ils y vont !» Et non, il faut une blague pour vraiment faire tout retomber. Et ça, en fait, c'est super frustrant. En fait. On va dire le prix à payer pour résoudre les enjeux est quand même un petit peu léger, effectivement. C'est ça. C'est très intéressant, mais c'est un petit peu léger. Après, je trouve que c'est quand même une très belle suite visuellement, mais je préfère quand même le 1. Chloé, Mélanie ? Moi, personnellement, je l'ai vu également, mais... Mm-hmm. J'ai vraiment préféré le 1. Mm-hmm. Tu disais que tu trouvais que le schéma n'était pas du tout en rapport avec le premier. Moi, je trouve que si, justement. Qu'il y a toujours, en fait, c'est très surligné avec plein de couleurs de... elle essaye de trouver son indépendance, elle essaye de trouver qui elle... Mais en fait, le truc, c'est que c'est trop surligné. Alors que, pour moi, c'est une histoire qui est logique. On a quand même une personne qui est... on se rend compte qu'il est humaine, mais qui ne l'est pas vraiment, et qui essaye en fait de savoir qui elle est. Et je trouve qu'il y a des moments, moi il y a certaines phrases à certains moments, où je disais ah ouais, ils essayent en fait de nous dire ce qu'elle est en train déjà de montrer, mais de le surligner mille fois. Et j'ai trouvé ça un peu trop. Voilà. Après, il faut se rappeler que c'est un film pour enfants. Hein. Je mets quand même le truc, plein de gens ont dit que l'intrigue était simpliste.
c'est un film pour enfants, enfin c'est pas un Terrence Malick dont on parlait tout à l'heure, il faut quand même toujours remettre le, les dialogues sont quand même beaucoup plus simples et beaucoup plus aérés aussi, c'est enfin voilà, je quand même je mets ce truc là dans la balance à quand on réfléchit à ce genre de film. Mais pour un film pour enfants, moi je trouve qu'il est quand même très très complexe. Après une seule un seul visionnage, tu peux pas avoir tout vu, mais moi je l'ai vu hier et je suis encore un peu sous. Moi j'ai dû le voir deux fois hein, pour faire cette critique. Voilà, et j'y repense depuis hier en boucle et je sens qu'il faut que j'aille le revoir parce que c'est pas un seul visionnage qui nous permet d'en comprendre toutes les subtilités et que Disney commence à faire ça dans des films pour enfants, je trouve ça très appréciable parce que la plupart des Disney qu'on a connus, il y avait pas tant de messages subliminaux que ça, il y a pas besoin d'énormément de visionnage pour vraiment comprendre un film. Et là, moi, j'ai l'impression que j'en ai même pas compris la moitié. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que en fait, c'est un film pour enfants, mais n'oublions pas qu'un enfant ne va pas tout seul au cinéma. Il y a ses parents en fait qui l'accompagnent. Et en fait, je pense qu'il y a aussi de plus en plus avec l'évolution des films de princesses, on essaye de plaire autant aux parents qu'aux enfants, parce que le parent, il a pas envie de il sait déjà qu'il va devoir raquer pour lui offrir des produits dérivés, autant que ça soit sur un truc en fait qu'il a aimé aussi. Donc moi, effectivement, tu en fait. Quand tu as dit, rappelons que c'est un film pour enfants, c'est vrai que je l'avais oublié sur le moment. Parce que j'ai l'impression que pour le coup, La Reine des Neiges, comme c'est un film genre même Réponse, Rebelle, pour moi, c'est. On viendra dessus. On est de moins en moins sur du film pour enfants, je trouve. Et surtout, Frozen 2 sort 6 ans après le premier, c'est-à-dire que les petites, filles qui avaient 10 ans, à l'époque du premier, qui adoraient Elsa chanter les Let It Go, aujourd'hui elles en ont 16. Ouais. Comment est-ce que tu séduis un public qui a eu 10 ans et qui maintenant en a 16? C'est ça tout le défi, en fait. Mais effectivement, avant qu'on regagne peut-être la nouvelle garde, parce que là, pour l'instant, on n'a pas beaucoup parlé de Réponse, et de voilà. Mais et que leur tour mine de rien non je suis d'accord avec ce que tu as dit Océane, je trouve peut-être que la VF notamment dans les chansons nuit à la puissance de connotation de certaines paroles, et pour avoir pu écouter après le film des chansons en VO notamment Dans un autre monde en VF, en VO ça devient Into the Unknown et l'inconnu c'est clairement le thème, enfin le thème du film, et quand tu le regardes en VF tu peines à trouver, comme il y a plein de sous-intrigues, t'as pas forcément des dénominateurs communs, et Into the Unknown te le donne en fait, et en VF tu l'as pas. Donc bon, forcément c'est un sacrifice à faire, mais à revoir peut-être, avoir une première fois en VF si on est un peu jeune, et revoir après en VO justement pour y revenir et peut-être profiter davantage du deuxième degré de lecture que tu nous as si bien donné. Alors, Cédric, je me permets juste, je lis arrêtons de prendre les enfants pour des cons SVP. J'ai pas dit qu'il fallait prendre les enfants pour des cons, j'ai juste dit que tu peux pas faire un cours de philosophie de deuxième niveau à un enfant de 6 ans. Il faut simplifier ton propos, mais c'est pas pour autant qu'il faut le débiliser. C'est ça que je veux dire. C'est même le concept de mémoire de l'eau, typiquement la façon dont il est traité dans le film, il y a une résonance existentielle, politique, etc. C'est Olaf qui amène la plupart des réflexions philosophiques du récit sur l'eau a une mémoire, ou la forêt est un passage de transformation, on va peut-être tout changer, enfin voilà, il y a quand même des trucs intéressants. Puis en fait juste n'oublions pas que tout ça est basé sur des contes de fées, et les contes de fées en fait c'est des histoires qui ont un fond philosophique, qui sont censées en fait avoir, enfin Christensen il était quand même moralisateur, enfin c'était un moraliste, donc en fait le truc c'est qu'on est là pour avoir de la morale dans l'histoire, donc c'est vachement important. Oui, on peut pas faire un cours de philo deuxième niveau, mais il faut quand même qu'il y ait quelque chose en fait. Ah mais moi je pense qu'il y a quelque chose, mais je disais juste il faut pas non plus trop bourrer le crâne des enfants. Et ils l'ont compris ces dernières années Disney, parce que la plupart de leurs films d'animation essayent d'amener des idées sans trop complexifier l'intrigue. On le voit avec par exemple Réponse. Avec Réponse, très bien, la transition toute trouvée. Merci pour ces avis, cette tournée d'avis sur Frozen 2. On repart dans le débat parce qu'on s'était laissé avec La Princesse et la Grenouille, donc là on a fait un petit bond avec Frozen 2, mais revenons quand même sur cette nouvelle garde, du coup on va les aborder d'un bloc, j'en suis désolé mais leur tourne, cette nouvelle garde de princesses Disney dans les années 2010 avec Réponse, Frozen, donc Tangled en anglais, Frozen, La Reine des Neiges en français, mais également Moana, Vaiana en français. Réponse. J'ai oublié Brave. Oui, parce que Brave c'est Pixar, du coup je le mettais dans une case à part, mais effectivement Brave a son rôle dans cette équation que tu fais bien de rappeler. Moi je veux juste dire un truc tout de suite que j'aime beaucoup. Parce que le temps est compté, donc vas-y. Du coup, si on prend ces quatre films, je trouve que l'évolution de la finalité de la princesse est très intéressante, parce que tu prends Réponse.
Elle veut trouver quelqu'un, machin. Enfin, finalement, à la fin, elle est mariée ou pas ? Je ne me rappelle plus. Elle se marie dans un des courts-métrages. Elle se marie dans le court-métrage, voilà. Mais à la fin, c'est elle qui embrasse le prince charmant et pas l'inverse, qui est un premier pas en avant. C'est elle qui sauve le prince. C'est elle qui le sauve et qui l'embrasse. Et le prince n'en est pas forcément un, c'est plus un sidekick rigolo. À l'origine, elle cherche pas quelqu'un, elle cherche juste à partir très très loin. Sortir. Je vais très vite dans mon truc sur les quatre films. Dans Brave, parce que c'est après chronologiquement, c'est Brave. Elle finit. Potentiellement, elle est toujours célibataire, elle se laisse le temps de la réflexion, mais globalement on lui dit bon, c'est bon, on va plus te marier de force, tu trouveras quand tu seras heureuse, mais il y a quand même toujours la notion de tu trouveras quelqu'un. Dans Frozen, la question de se marier est encore là à la fin. Bon, Anna, elle est avec quelqu'un, mais c'est son boyfriend, et Elsa est seule. Et pour moi, le meilleur, Moana. C'est une gosse. Non, il n'y a pas d'histoire d'amour surtout. C'est la première fois qu'il y a une princesse. Oui, mais peu importe. Enfin, Blanche-Neige, elle a 15 ans dans le récit. Mais dans Rebelle non plus, il n'y a pas d'histoire d'amour. On veut la marier de toi, donc il n'y a pas d'histoire d'amour. Voilà, dans l'histoire, il y a quand même la notion de mariage. Il y a quand même la notion de la femme a pour finalité de finir avec quelqu'un, ce qui n'est pas le cas de tout Vaiana. Ouais. Dans Vaiana, elle a un sidekick homme qui ne la désire pas. Il n'y a aucune notion de on va être amant. C'est un peu de la pédophilie, je pense, dans ce cas-là. Quand non, mais so- soit. On va parler dans Lilo et Stitch non plus. Il n'y a pas d'intérêt amoureux. Mais c'est pas les princesses. Je suis d'accord avec toi, mais si on prend juste l'archétype des princesses, c'est la première princesse Disney qui va vivre une aventure, qui transcendait et tout ça, comme ont pu vivre d'autres personnages Disney avant, et qui revient à la fin dans son patelin, et elle n'est pas mariée pour autant. Mmh. Elle reste ce qu'elle était, elle est très contente de s'être retrouvée, d'avoir compris qui elle était. Je ne me rappelle plus son nom à lui, c'est... Comment il s'appelle The Rock. The Rock, voilà. The Rock, moi, je voyais plutôt Reggie Fils-Aimé, mais... Non, bref, The Rock, au final, il repart. Enfin, il reste très bon copain et ça s'arrête là, quoi. Donc, je trouve qu'il y a eu une évolution dans et Frozen 2, que je ne spoil pas, mais la conclusion de Frozen 2, pour moi, parachève complètement cette réflexion sur est-ce qu'une fille, ça doit finir forcément avec quelqu'un. Océane. Et ce qui est intéressant avec cette nouvelle vague de princesses, c'est que toutes leurs doubleuses, quasiment toutes, ce sont des actrices ou des chanteuses ultra confirmées aussi. On passe d'une inconnue qui double la princesse Disney à des stars comme Kristen Bell, comme Idina Menzel qui est une sommité de Broadway. Kristen Bell, pas Christian Bale, tu me rassures. Kristen Bell, d'accord. Ouais, j'ai entendu Christian Bale. Non. J'aime beaucoup, mais je sais pas si c'est chanté. Moana. You are ruining my scene. et même réponse qui est doublée par Mandy Moore, qui a bercé toutes nos années avec Le Temps d'un automne et tout ça. Donc il y a aussi une starisation devant, donc avec les filles, mais aussi derrière la caméra avec les doubleurs qui sont vraiment maintenant, c'est des castings tous super all-star, quoi. Et ça je pense aussi c'est super important, parce que du coup on est vraiment dans une société où maintenant il faut des doubleurs, il faut des stars pour chaque dessin animé, et au détriment de vrais comédiens de doublage parfois, comme on peut le dire. Et du coup je trouve que le fait que maintenant on ait une star comme Idina Menzel qui vient de Broadway, justement elle insuffle cet esprit Broadway à Frozen, parce que du coup Frozen c'est à la fois c'est un dessin animé Disney et tout ça, mais il y a aussi clairement une influence de Broadway. Les auteurs des paroles des chansons viennent de Broadway, ça avait été dit. J'avais rencontré à l'époque les deux réalisateurs du premier Frozen, et ils disaient clairement c'était une influence Broadway. Donc c'est ça aussi, en ça qu'on retrouve un renouvellement du ressort de princesse, c'est que maintenant leurs influences culturelles, certes ça vient de l'Europe et tout ça, mais il y a aussi une inspiration de Broadway qui est peut-être quelque chose de moins évident, même si elles avaient déjà chanté, elles avaient une manière de chanter qui ne faisait pas du tout Broadway comme elles peuvent le faire dans Frozen. Sur le chat, on nous dit que le sidekick c'est Maui, voilà, tout simplement. Ah, Maui. Maui, bah, tout simplement. Mais merci pour cette remarque. Effectivement, c'est très important sur la façon dont Disney, tout simplement, donne à voir les talents qui font les films aussi, que ce soit du côté de la réalisation, du côté de l'interprétation, c'est quelque chose d'effectivement de très important à noter. Moi, je reviens sur Jennifer Lee dont je parlais tout à l'heure. Et c'est intéressant parce que Lasseter, qui a été une grande figure de l'animation sur plus de 25 ans, faut pas le nier, c'est le créateur de Pixar. Ouais. Il a travaillé sur plein de trucs avant même. D'armes d'animation. Ce qui n'a pas empêché de se faire rattraper par ses casseroles. Voilà, il a été rattrapé par ses casseroles. Disney a dû s'en séparer. En tout cas, pour l'instant, il n'est plus du tout dans les boucles de production. Et Jennifer Lee. Il a retrouvé du travail, alors t'inquiète pas. C'est vrai. Oui. Et du coup, Emma Thompson a décidé de se retirer du doublage d'un film qu'il produit. Bon, en tout cas, la question n'était pas forcément là, mais ok, on en parlera en off, je ne sais pas du tout. Et ce qui est intéressant, c'est que Jennifer Lee, c'est une femme divorcée. Je vais faire vraiment bref, mais c'est une femme qui a divorcé dans les années 2000 parce que ça se passait pas bien avec son mec, et sa fille, elle avait un syndrome d'hyperactivité, ce qui lui a permis de comprendre qu'elle-même était hyperactive de naissance. Elle l'avait jamais compris en fait, donc elle a compris qu'elle avait des
des blessures, on va dire, de toute sa vie qu'elle a eue. Un peu comme Spielberg qui est dyslexique, mais bon, c'est autre chose. Ouais. Et ça lui a permis dans son écriture d'amener des manières de voir les histoires hors du canevas classique de Disney. Et la consécration, c'est que Disney l'a fait nouvelle chef de la de département animation. Et ça se voit parce que depuis une dizaine d'années, moi personnellement, vous savez que j'ai vraiment du mal avec la méthode Disney, la production Disney, tout ce qui est Marvel, tout ce qui est Star Wars, de la manière dont ils gèrent leur patrimoine et comment ils, pour moi, abaissent la culture. Sauf elle. Pour moi, c'est la seule qui a compris comment insuffler plus d'émotions avec en prenant des animatrices, beaucoup plus d'animatrices femmes, en faisant beaucoup plus de personnages de couleur avec des identités multiples. Enfin, tu vois, des films comme Zootopie, même Zootopie, qui est un film que j'ai pas aimé, il y a énormément de trucs très positifs que tu voyais jamais avant, quoi. Et donc, moi, je tenais juste à dire, si vous connaissez pas cette femme, intéressez-vous à son travail. Elle fait énormément de bien l'animation depuis une dizaine d'années. Chloé, Mélanie. Ah, j'ai rien à redire par rapport à ça, je suis totalement d'accord et je vais ouvrir mon navigateur internet dès que je serai sortie de cette émission. Donc ça veut dire que Disney aurait-il trouvé le bon équilibre entre préserver ses intérêts et saisir l'esprit de l'époque et faire avancer On voit tous les live action des films de princesses, on voit Maléfique, alors Cendrillon, j'ai un soft spot pour Cendrillon, j'adore ce film. Voilà, j'adore les James Bond et tout ça. C'est vraiment mon plaisir coupable des live action, c'est Cendrillon. Mais on voit que maintenant, tout leur catalogue de princesses, ils l'adaptent en live action. On va voir la petite sirène et qui en plus, la pauvre actrice, il y a eu un tollé parce que elle est noire. Ouais. Alors que pourquoi pas, moi j'en Elle reste rousse ou pas? Oui, elle est rousse. Ah, ça me va alors. Mais je sais pas si elle est rousse. Si, ils ont mis déjà des premières photos. Très bien, ça me va. Elle est rousse, enfin elle a les cheveux, pas rousse, elle est rouge, vraiment. Ok, mais voilà, et du coup, on voit que Disney aussi essaie un petit peu plus de diversifier les acteurs des live action. Le truc, c'est que pour le moment, le résultat est pas top. Et Mulan, moi je suis pas super emballée parce qu'on a vu pour le moment, et en plus l'actrice soutient la Chine face à Hong Kong. La réception sera intéressante à suivre. Il y aurait un beau fiasco parce que beaucoup de gens appellent à boycott Mulan pour ça. En tout cas, à une époque où Disney, qui était un studio de création pure, se raréfie et juste ne fait que ressucer ses licences en boucle et en boucle, Disney Animation, étonnamment, a repris du poil de la bête par rapport à ces 15 dernières années et propose à chaque fois des nouveaux projets, des nouveaux trucs, que ça marche ou que ça marche pas, encore une fois, juste en termes de création. Même Frozen 2, qui est une de leurs premières suites depuis, on va dire, 10 ans, allez, 10-15 ans, dans les nouveaux gros succès, c'est une nouvelle histoire. Enfin, vraiment, ils auraient pu faire un ressucé du 1, mais tu suis quand même pas la même intrigue exactement que le 1. Ils essaient de développer des univers et s'ils vont à Zootopie 2, je pense que ça parlera pas de la même chose non plus. Et donc voilà, vraiment, c'est intéressant de retenir que l'évolution des princesses Disney, c'est surtout l'évolution de nouveau de Disney, qui a compris que de nouveau, il fallait reprendre la barque, reprendre le chemin de la création et proposer des nouvelles identités, des nouvelles licences et pas juste tourner en boucle sur les 5 mêmes trucs, quoi. Non, mais c'est aussi sociétal, c'est la façon dont la société évolue, les représentations évoluent, toutes les princesses qu'on a vues à travers les âges, à chaque fois c'était plus ou moins l'image qu'on voulait idéale pour la femme. Donc là aujourd'hui, où on se pose de plus en plus de questionnements sur qu'est-ce que vaut une femme de par elle-même, ça reste encore une question de société aujourd'hui en 2019. Qu'est-ce que la femme sans l'homme ou sans la relation? On avait parlé en off de ça, mais c'est toujours attendu qu'une femme soit avec quelqu'un, c'est encore très difficile de penser la femme seule, la femme qui n'a pas d'enfant. On peut commencer à penser presque des familles monoparentales ou des familles homosexuelles. La femme sans enfant, ça marche pas encore. Et c'est peut-être aussi un moyen du coup pour Disney de commencer à véhiculer cette image de mais est-ce que la femme, elle a vraiment besoin de trouver quelqu'un en fait, à la fin pour se réaliser. Il y a un moment très drôle dans Frozen 2 où au début du film, Elsa fait des petites sculptures de glace, des personnages de glace. Donc on voit un petit Baymax, je sais pas si vous l'avez remarqué. Donc on voit un petit Baymax dans les figurines en neige. Et dès que Anna veut faire s'embrasser un prince et une princesse, Elsa est tout simplement dégoûtée, elle est en mode non, mais vire-moi ça, je veux pas voir ça. C'est un moment qui m'a beaucoup fait rire parce que justement, je pense que c'est bien que Disney montre que dès petite, Elsa, elle voulait pas suivre le schéma initial hétéronormé de je veux sortir avec un mec et être qui soit mon prince et avoir des enfants avec. Mélanie ? C'est en fait aussi là, on est, tu disais, on est en 2019, on est dans une vague post et encore MeToo. Et le truc, c'est que je pense que là, dans Frozen 2, je pense que comme c'est une suite, on le voit sans trop le voir. Mais on va commencer, ils vont peut-être aussi, les gros studios comme Disney, commencer à tabler aussi là-dessus, mais tabler dans le sens qu'ils vont comprendre, comme tu disais, que la femme peut être seule, mais surtout que moi, ce que j'aime bien, entre guillemets, c'est vraiment avec des gros guillemets dans Frozen 2, c'est que Elsa, elle est carriériste. Et je trouve ça chambé.
c'est vraiment, il y a ce côté de, bah, c'est aussi, enfin, faut pas oublier, c'est une reine. Bien sûr. Il faut qu'elle gère quand même un royaume. Il y a ce côté, elle va essayer de sauver encore des gens. Voilà, c'est, elle a un métier. C'est vraiment, c'est pas la reine des neiges, c'est qu'elle doit gérer des gens. Et je trouve ça vachement intéressant. Et j'espère que ça va continuer de se développer un petit peu, ce côté de, n'oublions pas aussi que la femme peut avoir en fait un, c'est avec des gros guillemets aussi, mais un travail peut avoir un but en fait, qui n'est pas que donc se marier, avoir des enfants et faire popote à la maison, quoi. Et je suis désolé pour les gens du chat qui demandaient Mérida depuis tout à l'heure, mais c'est le moment d'en parler, et ce sera peut-être le dernier point de ce débat. Est-ce que finalement Mérida n'était pas précurseur aussi, dans la mesure où Pocahontas l'était déjà, hein, quelque part, À la fin de Pocahontas 2, elle finit avec John Wolfe, hein. Oui, John Smith. Non, John Wolfe. De John Wolfe. Oui, c'est avec un deuxième John. Ah, ok, d'accord. C'est d'accord. John Wolfe. D'accord, ok. D'accord. La suite canon. Mais du coup, ma question, c'est, est-ce que finalement les princesses n'ont pas gagné dès lors qu'on les représente comme des actrices politiques qui doivent gérer un royaume et qui du coup doivent guider l'avenir de la cité, et à partir de ce moment-là, vraiment nous guider tous ensemble vers la lumière, voilà, et nous faire avancer, quoi. Je pense qu'il y a aussi le mot, en fait, tout simplement princesse, qui nous fait en fait la rabaisser directement. Je trouve que vraiment le terme princesse rabaisse directement le personnage, qui peut être comme dans Rebelle, comme une reine en devenir, quoi. Ouais, en fait, ouais, mais c'est on voit trop les paillettes dans le mot princesse, alors que non, à l'origine, c'est quand même censé être une femme de pouvoir qui va devenir reine un jour, donc personne de pouvoir qui doit gérer des gens. Je pense que des reines, genre comme la reine Victoria, quand elle était princesse, on n'allait pas lui dire « Eh, ça va les petites paillettes, et est-ce que tu parles aux animaux dans la rue ?» Non, je pense qu'on était plus en train de dire « Tu vas devoir gérer des millions de personnes. » Il faut vous dire la même chose, je pense, maintenant, dans les films, et autant chez Disney. Il faut dire ça à Elisabeth II, je vais voir ce qu'elle va faire. Je crois en saison 4. Mais du coup, bon, avant qu'on se donne rendez-vous pour Frozen 3... La gamme Disney Princess a été créée en parallèle de la gamme Disney Heroes. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux un jour faire Disney Heroines ? Et ce sera peut-être le mot de la fin. Ah bah, ce sera un mot super approprié pour elle, oui. Parce que Disney Princess, techniquement, Mulan n'est pas une princesse, et pourtant, il me semble qu'elle est dans la gamme. C'est ça. Elle est dans la gamme. Pour moi, à partir du moment où tu mets en scène une héroïne, c'est une héroïne, peu importe qu'elle soit une princesse ou non. Et pour moi, il y a des archétypes de princesses qui ne ressemblent pas à des princesses, et d'autres qui ressemblent à des princesses et qui en sont, en fait. Je dirais même le prochain but presque pour Disney, là c'est important qu'on ait de la représentation de la femme, parce que la femme est encore beaucoup trop en retrait sur énormément de points, mais on se limite toujours à cette segmentation des genres, et qu'au bout d'un moment ce serait de ça dont il faudrait se détacher, en fait. Là c'est bien, on voit des femmes qui sont fortes, mais ce serait bien aussi d'avoir une personne. Tu peux pas nécessairement dire si c'est un homme ou si c'est une femme, et c'est pas important. Ce serait bien qu'on ait ça. Ouais, une neutralité, en fait, c'est ça que c'est ça. Une neutralité sans que ce soit un animal, sans que ce soit robot, mais que ce soit un être humain, mais... Non-binaire. Voilà, non-binaire, on ne s'arrêterait pas sur son genre pour définir ce que Yel est. Ce serait le rêve. Cédric, tu voulais réagir, et après je vous demanderai votre princesse Disney préférée. Réagir, je ne sais pas, je vais juste citer une phrase qu'il y avait dans le film La Petite Princesse, d'un certain A. Quaron, où il dit à un moment un personnage, enfin l'héroïne c'est un peu Princesse Sarah, c'est un peu l'idée de l'histoire, Princesse Sarah, elle est à l'orphelinat, et on lui dit, elle est une princesse en tout cas, et on lui dit, il faut qu'elle arrête, parce qu'elle n'est pas mieux que les autres parce qu'elle est une princesse. Elle dit, mais je ne suis pas mieux que les autres, toutes les femmes sont des princesses, quelle que soit leur apparence, leur taille, leur morphologie, qu'elles soient belles ou moches, peu importe, elles sont toutes des princesses et vous n'avez rien à dire à ça. Voilà. Drop the mic. Votre princesse préférée, avant qu'on passe au quiz musical. Est-ce que ça doit être de la franchise des princesses, ou c'est Disney, n'importe laquelle. Là, okay. Vraiment, c'est open bar. Parfait. Kida Kekash. Kida. Ah oui. Bon, Nadia, le secret de l'eau bleue, on vous embrasse. Stop. Océane. Aurore, Mulan et Kida. Ouais. Kida. Attends, laisse-moi le temps de la réflexion là. Je te prends dépourvu. Vas-y, bah ouais. Alors, ce n'est pas une princesse Disney, même si on pourrait le croire, mais Leia. Oui. Princesse Leia. Et par contre, dans Disney, rebelle, mais vraiment rebelle à 100%. Je veux sa robe, mais ils font pas en taille adulte à Disneyland. Ouais. Alors, du coup, Tiana. Tiana. Moana. Parce que trop bien. Et Anna dans Frozen, je l'aime d'amour, elle est trop bien, ce personnage. Une réponse près, moi je dirais à peu près pareil. Pocahontas pour le côté Antigone, parce que j'aime l'histoire qui se termine mal. Ensuite, Vaiana.
Vaiana, parce que quel souffle dans ce film, c'est absolument incroyable. Je suis désolé qu'on n'ait pas pu suffisamment parler. Bah, je vais rajouter une reco, tiens, hop. Et puis bah, Anna, parce que c'est quand même un personnage assez, enfin, vraiment très très beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît et qui porte sur elle des enjeux vraiment vraiment intéressants. Personnellement, j'aime beaucoup l'animation de la bave quand elle dort. Personnellement, oui. Ça c'est très réussi, ça me fait très plaisir. Et puis Vanellope, parce que c'est un petit peu, on n'a pas trop parlé aussi, mais Vanellope, elle est vraiment 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 marrante aussi. Mais surtout dans pervers. Quoi? Ok, bon. Ok, vu. Tu sais, j'aurais pu dire Toadette, hein, tu sais, mais bon. Allez, donc c'est terminé pour ce débat. Merci à toutes, merci à tous. Sur le chat, il y a pas mal de Ariel, réponse. Jessie de Toy Story 2. Oui, effectivement, pourquoi pas. Les amis, c'est l'heure de sévir, c'est l'heure du quiz musical. Le quiz musical cette semaine, qui est donc un quiz en or massif, vous l'avez, pour la sortie de Frozen 2 en or massif, voilà. Donc 5 morceaux qui nous viennent du nord, qui nous viennent du froid. C'est l'heure de s'emmitoufler un petit peu. Donc 5 morceaux, on rappelle les règles, 1 point par bonne réponse. 2 équipes, peut-on les avoir sur les écrans s'il vous plaît? 2 équipes, oui, il faut cacher évidemment le chat avec les conducteurs, parce que les gens sur le chat joue avec nous. Nous avons donc à ma droite l'équipe Anna. Avec... On peut perdre, moi je suis pas la bonne team. Avec les rousses, c'est très bien. Donc les rousses toutes du même côté, c'était pas voulu. Et team Elsa avec Cédric et Océane. 1 point par bonne réponse. Si vous avez la mauvaise réponse, la parole va à l'équipe d'en face. Donc attention. Okay. Vous pouvez pas dire. Et si vous donnez par exemple le Roi Lion, je veux le 2 ou le 3. Ou voilà, vous dites pas juste le Roi Lion, c'est pas la franchise, c'est le film. C'est parti pour le premier morceau. Ah, bah, Frozen 2. La Reine des Neiges 2, bravo. Bah, en or ce massif. Montage, ce montage, juste vraiment, on dirait un peu les feux de l'amour. On dirait Agony dans Into the Woods. Oh, c'est génial. Et puis, bah, parodie peut-être un petit peu d'Elton John aussi sur pas mal de choses. Et puis, Bohemian Rhapsody aussi. Il y a plein de choses. Pour les parents seront très contents. 1-0 pour la team Elsa. C'était donc morceau composé par Kristen Anderson Lopez et Robert Lopez, interprété en français par Donald Renew. J'ai perdu le nord de La Reine des Neiges 2, sorti en 2019 dans toutes vos bonnes salles. Comme ça, j'ai dit toute la ligne et c'est génial. 1-0 pour l'équipe Elsa. Deuxième morceau. Star Wars, non ? Ce n'est pas Star Wars. Équipe Anna, vous avez la parole. Tu l'as, ça vous la mère. Oui, mais je l'écoute en boucle en plus. Mais vu que je suis nulle à ce genre de choses, je sais quoi comme genre de film qu'est-ce nous sommes toujours dans le monde de l'animation. Ah oui. Qui nous vient du nord. L'âge de glace. Ce n'est pas l'âge de glace. Équipe Elsa. Bateau chien loup. Ce n'est pas ce n'est pas Bateau chien loup. C'est un film DreamWorks. Berk, This is Berk de Dragon. Oui. Bravo. Merci. Bravo, bravo, bravo. Je l'ai vraiment écouté avant d'arriver. C'était, alors effectivement, est-ce qu'on peut avoir les musiques un petit peu plus fortes, s'il vous plaît, dans nos casques, ce serait sympa. Voilà. Mais effectivement, c'est This is Berk dans Dragon. This is Berk dans Dragon. Mais j'entendais pas ça. Alors. Composé par John Powell, film de Dean DeBlois, trilogie de Dean DeBlois. Exceptionnel. Donc, premier film est sorti en 2010. Donc un partout pour l'équipe Elsa et Anna. Du coup, troisième morceau. On reste dans le monde de l'animation. Mais peut-être pas les mêmes horizons. Attends, si ça me parle. Bon, vous entendez, c'est du japonais évidemment. Yuri on Ice ? Yuri on Ice ? Non ! C'est pas Yuri on Ice, non, pas du tout. Pas du tout. Prochaine fois, demande-moi avant. Alors, j'entends penser à un truc avec le nord en japonais. C'est un animé qui vient du nord où il fait très froid, qui est diffusé sur Amazon Prime en ce moment. C'est bon, je l'ai, elles l'auront pas. Il l'a. 5. 4. Non, parce que Seven Deadly Sins, il est sur Netflix. Non, c'est pas Seven Deadly Sins, c'est... Il y a des Drakkars. Non, mais je peux le dire, c'est bon, c'est Vinland Saga. C'est Vinland Saga, bravo. Vinland Saga, animé par Vid Studio, si je dis pas de bêtises, sur Amazon Prime en France, donc animé avec des vikings, un petit peu le Game of Thrones. Mais c'est qu'il faut mettre des trucs d'animé quand il n'y a pas que moi, parce que ça sert à rien, en fait, là, moi, clairement. Je sais, tu sais que c'était juste moi et ma culture, si je l'avais ou pas, quoi. C'est pour équilibrer les enfants. Équilibre, je distribue les points, je suis gentil. Donc 2-1 pour la team Elsa, rien n'est joué. Il reste encore 2 morceaux. 4ème morceau. Et on quitte le monde de l'animation. Ah. C'est un jeu vidéo. Ouais. Ouais, bon, ça je l'ai, je crois. Si c'est pas Pokémon, je sais pas. World of Warcraft. Ce n'est pas World of Warcraft. Ça aurait pu être Wrath of the Lich King.
Là, je donne pas d'indice, hein, parce que... Ah, c'est trop vieux. Bah, c'est un jeu vidéo quand même récent. Ah, tu l'as ? Je crois. C'est peut-être. C'est un jeu qui est récent. Je vous donne 5 secondes. Qui est récent. Il est récent de genre beaucoup. Ouais, qui a eu pas mal de Game Awards. 3. Ah, God of War. C'est God of War. Bien joué. C'est God of War 2018. Tu les as un peu aidé, hein, sur quand même. PS4. Oui. Bah, Game Awards, c'est pas un indice très... Bon, ok. C'est pas un indice... J'aurais pu dire sur PS4. Là, ça aurait été donné tout de suite, quoi. Mais effectivement, c'est God of War. Jeu sorti en 2018 chez Sony sur PS4. Morceau Witch of the Woods, le thème de Freya, composé par Bear McCreary, qui a entre autres composé Godzilla 2. Voilà, parce qu'il paraît que les musiques de Godzilla 2 étaient très bien. Et Battlestar Galactica. Et Battlestar Galactica. Si on peut aussi retenir un truc, à la limite, oui, pourquoi pas. Mais si, les visuels néons sont très bien aussi. Non. Donc 3-1 pour l'équipe Elsa. On continue quand même pour le dernier morceau. Pour la beauté du geste, et celui-là, on reste dans le Nord. Je vais dériver les données vers un serveur bisextile. Il ne me reste plus qu'à trianguler le ping. Oh, bah, c'est NordVPN, oui, le joueur du grenier. Bravo. C'est le meilleur VPN existant. C'est genre même pas une musique. Oh, c'est triste, mec. Comment tu pouvais deviner? Parce qu'il y avait la voix du joueur du grenier. Bah oui, mais moi je regarde pas genre du grenier. Parce qu'il vient de dire. Parce que je crois que Mélanie a. Comme vraiment, je suis partie très loin. J'ai entendu NordVPN, je me suis dit ok. D'accord, voilà. Bah, c'était le Nord massif, tout simplement. NordVPN. Nord, oh, bah oui, tout simplement. Simplement. Non, mais je comprends. Je suis désolé. Je suis désolé. Prends notre malheur. Mais bon, bah, c'est toujours le cinquième morceau. Hein. Voilà, c'est la règle de la maison. Donc, c'est NordVPN, donc la fausse pub par joueur du grenier, tout simplement, que je vous invite à regarder, parce qu'elle est quand même plutôt rigolote. Oui, très bien. Voilà, très très bien. Donc, ça fait 4-1 pour la team Elsa. Je suis désolé. T'as désolé. T'as pas l'air si désolé que ça, en fait. Hein. Pour je suis désolé. Je suis désolé. Donc, c'est 4-1 pour l'équipe Elsa, un bien beau score. Ouais, bien vu. J'ai gagné pour la première fois. C'est vrai que je crois qu'il a fallu que j'attende 6 mois pour la première fois. Depuis octobre, j'avais pas gagné une seule émission. Et là, c'est la première que je gagne aujourd'hui. Bah voilà, donc là, tu te mettras plus souvent à côté de Cédric. Ouais. Très bien. Mais c'est vrai que d'habitude, quand vous êtes ensemble en plateau, vous faites chacun une critique. Du coup, vous n'êtes jamais du même côté, ça, évidemment. C'était une belle occasion cette semaine. C'est l'heure des recommandations. En avez-vous? Oui. Océane. Pour rester dans le domaine des princesses Disney, sur Twitter, je suis une journaliste transgenre qui s'appelle Emily Van Der Werf, qui écrit pour le site Vox. Mm-hmm. Elle avait écrit le meilleur article qui soit sur le dernier Tarantino. Et elle rebelote avec son article sur la queerness dans Frozen. Et le personnage d'Elsa, justement, en quoi il a quand même beaucoup cette imagerie très, très queer, même si Disney, a priori, n'ose pas franchir le pas. Et c'est un article vraiment très intéressant, puisqu'en plus, il y a un vécu forcément très personnel. Et c'est vrai que c'est très intéressant d'avoir des journalistes queer s'exprimer sur justement la queerness inavouée d'Elsa. Et cet article est absolument passionnant. Donc vraiment, c'est une journaliste que je vous recommande de suivre parce qu'elle est super intéressante. Je ne suis pas tout le temps d'accord avec elle, mais c'est un avis, c'est un vent de fraîcheur, je trouve, sur la critique ciné. Et en ce moment, je lis le bouquin de Gillian Flynn, Sur ma peau, qui s'appelle donc Sharp Objects, qui a été adapté en série l'an dernier sur HBO. Et je suis accro, c'est à la fois horrible, absolument génial et super addictif. Si vous n'avez pas vu la série, je vous recommande la série et je vous conseille de lire le bouquin qui est assez complémentaire de la série. Et vraiment, c'est un gros gros coup de cœur. Je suis très contente d'avoir enfin rattrapé Sharp Objects parce que c'est absolument brillant. Cédric? Ah ben moi, ça tombe bien, Monsieur Bobby, il a fait plein de vidéos récemment. Bien sûr. Oui, donc après une rentrée tonitruante sur Alien 2, il en a fait une sur Alien 3. Et vendredi, il en a sorti une sur Xu, les gardiens de la montagne magique, un Wuxiapian de Tsui Hark. Très intéressant parce que globalement, il va amener toute une énorme vague du KPDP chinois fantastique qui va avoir des influences sur le cinéma occidental. Donc voilà, je recommande comme à chaque fois Monsieur Bobby parce que bah, c'est le bien cette chaîne en termes de cinéma, elle apporte énormément. Et je recommande toujours Botch qui me fait beaucoup rire en termes de youtubeur et son dernier Game Botch sur Luigi's Mansion était un régal. Voilà. Effectivement, nouvelle formule pour Botch en général, parce qu'ils ont encore 3 Botch actu, après c'est terminé, ils vont changer un petit peu leur fusil d'épaule, je crois. Tout à fait, mais ça resterait de l'actu, mais d'une manière où ils peuvent mieux le gérer eux, parce que comme il y a un vrai travail de montage très important derrière, ça reprenait plus de temps que prévu. Donc. Et en livre, je recommande Rocky Rama a sorti enfin après un an la partie 2 sur leur énorme saga Spielberg qui doit être composée de 3 livres. Donc là ça va de, je ne me rappelle plus, je crois que c'est de La liste de
Schindler jusqu'à... Il y a Hook dedans en tout cas. Ouais, ça va jusqu'à Indiana Jones, Crâne de Cristal je crois. Donc voilà. Il existe ce film ? Oui, oui, il existe. D'accord, ok, j'étais pas sûr. Chloé ? Ça va paraître redondant au vu de ce qu'on a dit tout le long de l'émission, mais en vrai, Frozen 2. Moi, c'est, je le recommande vivement. Je pense que je vais aller le revoir tellement j'en sens le besoin. Et un petit plus, c'est aller le voir en VO de Benef. Il n'y aura rien qui sera perdu au niveau de la traduction parce que c'est un discours qu'on a tous eu en off, c'est que la version française est plus pauvre que la version anglaise. Si vous comprenez l'anglais, allez le voir en anglais si vous pouvez, si vous avez des salles qui le proposent à proximité de chez vous. Et aussi, comme ça, vous évitez d'avoir plein de gamins dans la salle de cinéma, donc vous êtes beaucoup plus tranquille. Bon, en filigrane, on a compris, ta reco, c'est habiter à Paris. Ou dans une grande ville. Non, mais c'est pour ça que je dis dans la mesure du possible. Mais privilégiez la VO si vous le pouvez, sinon allez le voir tout court. Mélanie. Moi, ce sera peut-être un film et une saison d'une série. La saison d'une série, c'est la saison 4 de The Good Place. Qui, voilà, moi, je suis tombée amoureuse de cette série et je trouve que la saison 4 est vraiment très très cool. Y a d'autant plus un peu cette balance entre le bien et le mal et qu'au final on n'est pas tous bien, on n'est pas tous mauvais. Voilà, que j'aime beaucoup, même si la Netflix a planté hier, donc impossible de regarder le dernier épisode qui paraît génial, donc je suis un peu deg, il m'en manque un. Et en film, J'ai perdu mon corps de Jérémy Clapin. Oui. Vraiment, j'ai pleuré pendant une heure et demie. Il est court, c'est une production française, faut le souligner, c'est génial. C'est un film magnifique, très bien fait, c'est une partie de vie, quoi. C'est juste une histoire dans la vie qui est très douce, qui a beaucoup de mélodies, qui est très très belle, et surtout un énorme plus sur la BO que j'écoute vraiment. Pour le coup, en boucle, de chez boucle, quand j'écoute pas This Is Berk de Dragon, mais il y a quelque chose de très très émouvant rien qu'à écouter les musiques du film en fait. Donc faut aller le voir en plus pour faire des entrées pour un film français. C'est très important, en plus dans l'animation. Animation 2D pour adultes en France par un studio un studio indépendant de rien. Donc c'est tout gagne à être soutenu là-dedans. Avant de vous donner mes recommandations sur le chat, on a Profi Sekai qui nous recommande Père Fouettard Corporation chez Kurokawa. Le tome 3 vient de sortir et c'est clairement un des meilleurs titres qu'ils aient édité ces dernières années. Ah, et puis donner des sous pour la VF de Promer. Non. Le crowdfunding est en cours. Si, écoute. Non. Ça reste toujours un film naze et il n'a pas besoin de VF. Mais enfin. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Allez, hop. C'est quoi tes recos? Non, mais attends. En plus, vous avez manqué en fait. Le crowdfunding a dépassé les 200%. Mais c'est très bien, c'est très bien. Les petits forceurs de Promer, ils ont eu ce qu'ils voulaient. C'est très bien. On est heureux. Allez, tu n'auras pas ton steelbook. Voilà. Moi, je m'en fiche. Donc, mes recommandations, puisque j'allais recommander J'ai perdu mon corps, en écho à J'ai perdu le Nord. Du coup, je vais devoir en improviser une. Donc, ma première recommandation, c'est évidemment Atlantide, l'Empire perdu, film de Gary Trousdale et Kirk Wise, qui sont donc deux grands messieurs du Disney des années 90. Préférez la saison avec Tilk perso. bien vu. Mais si on peut parler de Stargate Asien, c'est ma série préférée. Moi, je suis chaud. On fera une émission sur Stargate. Oui. Vous inquiétez pas. Mais du coup, pardon, j'ai perdu le fil. Pardon. Atlantide, l'Empire perdu. Grand hommage à Jules Verne et la possibilité d'un autre Disney qui s'offrait à cette époque-là. Et le film s'est fait rouler dessus par Shrek. Tiens donc, qui est sorti, il a eu la mauvaise idée. Sortir en même temps. Harry Potter aussi, le premier Harry Potter. 3 juin 2001, le premier Harry Potter. Été 2001 Je suis pas sûr que Harry Potter. C'était à Noël 2001. Donc face à Harry Potter. 3 juin 2001, moi j'ai sur ma fiche. Mais en tout cas, en France, il s'est fait. En France, c'est Noël, donc ça sortait à la Disney. Il est peut-être sorti aux États-Unis en juin, alors chez nous, on l'a eu à Noël. Mais du coup, oui, un Disney extrêmement dense au niveau des influences visuelles. Mike Mignola à la direction artistique. On a du Batman, on a du Jules Verne, comme je l'ai dit. Et puis, on a énormément d'éléments d'animation japonaise, notamment Nadia, le secret de l'eau bleue. Oulala, une princesse autochtone avec un pendentif bleu qui brille sous l'eau. Incroyable, le Nautilus, incroyable. Et puis, des géants qui se dressent pour protéger une citadelle. Ça cite aussi un petit peu Nausicaa. Est-ce que finalement, ces technologies avancées que l'Occident a oubliées, ne sert pas un peu de résonance pour parler de l'animation japonaise
Je ne sais pas. Peut-être qu'il y a appropriation culturelle. Moi, je voilà, peut-être. Peut-être. Je ne sais pas. Il y aura toujours une part de plagiat. Il y a un petit débat autour de ce film, mais je pense pas que ce soit forcément du plagiat en l'occurrence. Et j'ai eu grand plaisir à découvrir ce film pour préparer cette émission. Autre chose du coup que je vais improviser, c'est tout simplement Last Man, dont le tome 12 et dernier tome est sorti récemment. Si vous voulez des princesses badass en plus, Last Man, je pense que vous serez servi. Bande dessinée de Balak, Bastien Vives et Michael Sanslaville, donc édité chez Casterman. On va suivre les aventures de Richard Aldana dans une société un peu fantastique, alors que lui-même a une moto et semble venir d'un monde un peu différent. On va partir dans un récit absolument abracadabrantesque, accompagné d'une série animée. Oui. Qui est très très bonne, qui qu'on vous recommande. Française aussi. En 2D. En 2D, réalisée par Jérémy Perrin, qu'on avait reçu en plateau d'ailleurs pour parler de Last Man. Donc je vous redirige vers ce numéro qu'on avait consacré à la série à l'époque. Et également, bah, du coup, Vaiana, parce que je l'ai dit tout à l'heure, Vaiana, c'est un grand Moana. Film. Voilà, on l'aime beaucoup. Oui, bon, certes, ok. Zelda Wind Waker, si tu veux. Bon, bah, c'est tout du coup pour cette émission. Comme le veut le dicton. C'est la fin des choux. Et c'est la fin de ce numéro 109 d'Hyperlink. On espère que ça vous a plu. On s'était dit qu'on allait faire court, mais on a battu, je pense, le record de longueur pour un numéro. Karl opine du chef. Les amis, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Mélanie, où est-ce qu'on peut te retrouver? On peut me retrouver donc sur YouTube, sur ma chaîne La Manie du Cinéma, où je parle voilà, du cinéma, c'est bien, c'est dans le titre. Sur Twitter aussi pas mal, parce que je fais pas mal de trades ciné et je parle ciné. Mm-hmm. Et depuis assez récemment sur Twitch, où alors sans date vraiment, mais à peu près hebdomadairement, où on parle de type de film. Mmh. Et je vais faire aussi bientôt du montage en direct sur le thème du cinéma. Donc n'hésitez pas à venir voir ça. Très très bien, bah, c'est noté. Quant à nous, vous pouvez nous retrouver la semaine prochaine pour un numéro qui s'annonce haut en couleur, puisqu'on va parler d'un petit film qui sort sur Netflix, un petit téléfilm indépendant. Oui. Oui. Oui, bah oui. Un réalisateur qui gagnerait. Un grand fan de Marvel Studios, je crois. Hein, non. Ah, pas très fan de Marvel Studios. Ah je crois. Merde. Il a quand même défendu sa parole. Il a mieux expliqué après. Mais... Mmh. Oui. Oui. Il a raison. Il a raison de toute façon. Oui. Voilà. C'est Scorsese. C'est un des dieux du monde. Oh, bah, allez, c'est bon. Si voilà, ce bon. Début de débat vous plaît, rendez-vous la semaine prochaine. La semaine prochaine. Ciao. Salut. Jeux vidéo, BD, manga, séries et cinéma de genre. L'actu Pop and Geek, c'est dans Hyperlink. Votre cocktail de bulles et de pixels. Avec Karel et son équipe, tous les dimanches à 16h, en direct sur VL.